Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Pitch for Impact. Je suis Mamad, créateur de contenu sur les réseaux sociaux où je parle d'écologie sous le nom de Impact Story. Et pour cette soirée, donc Pitch for Impact, on va avoir l'occasion de rencontrer plusieurs entreprises à impact, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer et de faire en sorte que plusieurs investisseurs citoyens engagés et des entrepreneurs puissent se rencontrer. Et donc ce soir, on va rencontrer 5 entreprises qui seront présentes sur le village. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'ITA, c'est une plateforme participative pour rediriger son épargne vers la transition écologique et sociale et qui s'adresse à tous et tous. Donc on va commencer par présenter une première start-up qui s'appelle L'Ermitage. Donc je vous prie de me suivre. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Latifa. Donc tu représentes L'Ermitage. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce que c'est ? Très bien, merci beaucoup. Donc L'Ermitage, c'est un tiers-lieu de 30 hectares entre Soissons et Compiègne, à une heure de Paris et de Lille. Et donc nous, concrètement, quand on a lancé le projet en 2017, on souhaitait répondre à une problématique assez évidente en territoire rural, qui était la perte de lien social et la déperdition de lien social, et notamment le fait qu'il n'y avait absolument aucune solution concrète, pratico-pratique, pour permettre à ces territoires et puis à ces populations de devenir actrices, hein, véritablement, de ce que sont les défis de notre siècle, notamment en matière de transition écologique, de transition environnementale, sociale, et puis plus largement numérique également. Et peut-être pour parler un peu de ce que l'on y fait, hein, concrètement, à L'Ermitage, forcément, comme dans tout tiers-lieu, notre offre est pluriel d'une certaine manière, et nous avons d'abord pour objectif de rompre l'isolement des entrepreneurs ruraux, et notamment on le fait en mutualisant des services et des équipements, en mettant à disposition des bureaux, des ateliers à tarifs solidaires, et puis tout particulièrement en lançant un programme de compagnonnage de pair à pair. Et à côté de ça, L'Ermitage, c'est aussi un espace où l'on vient s'inspirer, découvrir en équipe, se former, partager ça dans un cadre absolument exceptionnel, 30 hectares, 20 hectares de bois, on s'y met au vert. Et à côté de ça également, nous à L'Ermitage, nous avons pour ambition de recréer des dynamiques citoyennes, et ça très concrètement, on le fait au travers de notre café-cantine, de notre programmation culturelle et événementielle, de notre ferme maraîchère de 2 hectares, de notre AMAP, et puis également de notre forêt que l'on gère comme un commun. Et puis enfin, L'Ermitage, c'est aussi un bureau d'études. Donc on accompagne des collectifs de citoyens, des collectivités locales et surtout des maires de villages ruraux dans la mise en place de projets qui transforment leur territoire. Super intéressant, merci pour ces réponses. Du coup, vous intéressez aux territoires ruraux et à leurs liens avec les urbains. C'est quoi les leçons que vous en tirez sur les fractures sociales et comment le résoudre ? Alors oui, c'est une très vaste question. Très concrètement, nous, on est aujourd'hui sur un territoire qui vote majoritairement de manière à ce que la question du faire ensemble n'existe plus tout à fait. En revanche, ce que l'on a remarqué, c'est que à partir du moment où on propose des espaces de médiation, de débat, des lieux d'acculturation, des ateliers qui permettent de faire ensemble d'une certaine manière pour dépasser ces clivages, on se rend compte que petit à petit, au final, cette question du renouer avec l'autre et de refaire confiance à la fois à son voisin et de refaire confiance également à la fois à ce qui est sa collectivité publique, eh ben ça fonctionne. Et ce sont des choses qui sont très simples à mettre en place comme un tiers-lieu. Et à quoi vont servir les fonds levés sur l'ITA ? Oui, donc aujourd'hui, nous cherchons 400 000 euros sur l'ITA en action, notamment pour venir consolider notre développement et permettre de recruter de nouveaux talents, notamment parce que L'Ermitage, ce n'est pas juste un lieu à Autrèche, dans l'Oise, c'est également un modèle d'activité qui équilibre intérêt général et viabilité économique visant à essaimer ce projet
d'abord en France, bien entendu, et puis un peu partout en Europe, notamment au travers d'un partenariat que l'on a mené avec l'ONG humanitaire ACTED et qui fait de nous aujourd'hui le premier campus européen du 3-0. Et 3-0, c'est zéro exclusion, zéro pauvreté, zéro carbone. Super, bah écoute, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci Mamad. Alors du coup, maintenant, on va aller voir une deuxième entreprise qui s'appelle Théori. Et donc, bonjour Julia. Est-ce que tu peux nous pitcher Théori et nous dire ce que c'est? Alors, merci. Donc, Théori, c'est des fast-good 100% végétaux. On en a un à Paris, un à Levallois. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que l'alimentation, c'est le troisième poste le plus émetteur de CO2 en France, derrière le logement et les transports. Et c'est là qu'on intervient parce qu'un repas 100% végétal, c'est réduire jusqu'à 17 fois son empreinte carbone par rapport à un repas qui comporte du bœuf, par exemple. Et faut savoir qu'il est aujourd'hui très très difficile quand on veut manger à l'extérieur de pouvoir manger végétal. Et c'est là qu'on intervient en proposant des offres qui sont 100% végétales, gourmandes, healthy, avec une philosophie bienveillante. On est vraiment là pour montrer que c'est possible et montrer que c'est sympa et gourmand et pas stigmatiser la cuisine végane. Donc là, pourquoi, enfin, notre cible. Bien sûr, il y a les végés, les véganes, c'est notre cœur de cible, on propose une offre qui est adéquate, mais c'est vraiment les flexitariens, donc les gens qui cherchent à réduire leur consommation de viande et avoir une consommation plus responsable. En ce sens, il y a 2 ans, quand on a ouvert notre deuxième restaurant, on a élargi la carte pour pouvoir proposer une diversité de plats et pas juste du burger comme on faisait au début, pour les inviter à revenir à différents moments de la semaine et de la journée. On lance une offre de coffee shop, par exemple, la semaine prochaine, pour pouvoir en fait montrer qu'à tous les créneaux de la journée, c'est possible de manger en 100% végétal et de se faire plaisir. Et il y a un an, on a aussi fait un tournant dans notre communication pour retirer le mot « vegan », qui fait un peu peur justement à cette cible de flexitarien, et parler plutôt de « plant-based », de « végétal » et pas de « vegan », où il y a toute la philosophie derrière qui peut faire un peu peur. Alors, pourquoi investir chez nous aujourd'hui? C'est parce que donc on a déjà 2 restos qui sont totalement rentables. On a 5 ans d'expérience, on a beaucoup de visibilité, on a éprouvé notre modèle. On sait d'avance qu'en 2024, on va avoir des gros coups de projecteur sur nous parce qu'on va être notamment présent sur le village olympique. On va être le seul stand 100% végétal, donc ça va nous faire une grosse visibilité. En plus de ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a peu de concurrence en France. Il n'y a pas de chaîne réellement implantée à travers la France, donc ça nous laisse le champ libre pour devenir l'incontournable dans la tête des Français quand ils veulent manger végétal. Et surtout, on est dans un secteur qui est en pleine croissance. C'est 15 à 30% par an jusqu'en 2030 de croissance du nombre de végétariens, véganes, flexitariens. Et on sait déjà que les jeunes, ceux qui sont aujourd'hui entre 14 et 18 ans, c'est notre clientèle dans 4-5 ans. Et là, il y a une majorité de végétariens. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce restaurant? Alors du coup, c'était il y a un peu plus de 6 ans. Nous, on a transitionné, on est devenu végétarien. On s'est dit, c'est vachement cohérent avec nos valeurs de devenir végétarien, de réduire notre impact. On est rapidement devenu vegan et là, on s'est retrouvé confronté à la réalité du marché, c'est qu'on pouvait plus sortir, on pouvait pas manger. On était des gros fans de burgers, il y avait rien. Et on s'est dit, non, mais faut qu'on fasse quelque chose. On voyageait beaucoup à l'époque et on voyait tout ce qui se faisait à l'étranger. On s'est dit, faut qu'on propose quelque chose et qu'on résolve ce problème, en fait, de pouvoir continuer à avoir une vie sociale et de se faire plaisir et de prouver qu'il est possible de se faire plaisir en mangeant vegan. Et comment on fait pour convaincre un public qui a l'habitude de manger de la viande et de venir manger une viande, justement, végétarienne? Alors, je dirais que le plus dur, c'est de les attirer la première fois. Parce qu'une fois qu'ils ont mangé, il n'y a plus de problème. Ils sont convaincus. Et là, ça passe par déjà beaucoup de communication. Donc, on a beaucoup de visuels qui sont beaux. Hein, parce que, bien sûr, le repas, il passe aussi par la vue. Il faut que ça soit beau, que ça soit dégoulinant. Donc, on travaille beaucoup le visuel de nos recettes. On travaille forcément, bien sûr, aussi beaucoup le goût pour qu'une fois qu'ils aient franchi ce pas, ils rentrent. Mais nous, on a du coup beaucoup de gens qui rentrent parce que, en fait, ils voient nos affiches à l'intérieur des restaurants. On a aussi beaucoup le bouche à oreille. Donc, on a un client qui rentre, qui va prendre à emporter, qui arrive dans ses bureaux, ça sent bon. Et le lendemain, on a 3 de ses collègues qui viennent manger parce qu'en fait, par l'expérience, on convertit. Et après, c'est beaucoup de communication sur les réseaux, beaucoup d'événementiel. Voilà. Okay. Bah écoutez, merci beaucoup. Maintenant, on se dirige vers une 3e boîte qui s'appelle les Éditions du Faubourg.
On va partir à la rencontre de Sophie, qui est juste là. Bonjour Sophie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est les éditions du Faubourg ? Alors, bonjour. Les éditions du Faubourg, c'est une maison d'édition qui va rentrer dans sa cinquième année en janvier 2024, que j'ai créée pour avoir un impact réellement positif sur la société. C'est-à-dire que c'est des livres, mais c'est pas seulement des livres. D'abord, pour les auteurs, c'est une aventure de co-création et de promotion. Et puis, pour le public, c'est des livres qui peuvent aider à changer la vie, à prendre des décisions, à voir le monde sous un jour un peu nouveau. Et donc, aussi, sur le plan politique, on essaye de faire des livres qui portent des propositions nouvelles pour rendre le monde un peu meilleur. Et donc, le Faubourg, c'est le lieu où toute la société se rencontre. On n'est pas dans le centre, on n'est pas dans les périphéries, on est là où on manifeste, où on travaille, où on fait la fête. Donc, c'est une petite maison artisanale, mais qui peut créer des grands livres, des livres qui peuvent vraiment changer le monde. Super, et je vois qu'il y a déjà 30 livres qui ont été publiés dans des domaines très variés. Comment vous faites pour choisir les livres que vous allez publier ? Alors, un livre, c'est toujours une rencontre entre un auteur et un éditeur. Donc, je reçois des manuscrits, je les regarde, et moi, je cherche des livres. Donc, il y a soit le livre vient de moi, soit le livre vient des auteurs, et ensuite, c'est une discussion et vraiment une co-création pour aboutir au projet qui n'était pas celui que l'auteur imaginait au départ, ni celui que moi je pensais, mais c'est vraiment une élaboration commune pour faire le meilleur livre possible. Et on travaille énormément les textes, les visuels, le marketing et la promo pour que le livre ait toutes ses chances d'atteindre son public. Mais il y a un problème, c'est qu'en France, on est dans un système de concentration extrême et de surproduction. Il y a plus de 70 000 livres par an qui sont publiés, beaucoup en auto-édition, mais n'empêche. Et il y a deux groupes d'édition qui possèdent plus de 50% des parts de marché. Ça veut dire que, en fait, la moitié des livres qui sont sur le marché sont dans les mains d'un groupe qui est détenu soit par Bolloré, soit par Kretinsky. Bolloré qui possède Canal+, Kretinsky qui possède la FNAC, et puis les relais, etc. Donc, en fait, le public, il a du mal à rencontrer les livres parce que en librairie, il y a un choix beaucoup trop vaste et les libraires ont du mal à trier dans toutes les propositions qui leur sont faites et à choisir les livres qui intéressent vraiment leurs lecteurs. Et moi, quand je monte mes livres et quand j'en parle, les gens me disent « Waouh, c'est hyper intéressant !» Sauf que mes livres sont pas assez visibles en librairie à cause de ce problème de concentration et de surproduction. Donc là, je suis en train de mobiliser avec l'ITA une communauté importante. Par exemple, hier, il y a Julia Cagé et Pierre Aski qui ont pris la parole pour dire à quel point c'était important de soutenir une maison comme les éditions du Faubourg au nom de l'indépendance et de la liberté de penser, finalement. Et donc, avec ce comité de soutien qui est en train de s'élargir, on va augmenter les ventes et conquérir les esprits. Super. Et au-delà de cette question d'indépendance, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de livre à impact ? Alors, le concept de livre à impact, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de publier des livres pour rendre le monde un peu meilleur, pour vraiment faire avancer les choses. Avant ça, j'étais journaliste à Rue 89 et j'ai fait émerger des sujets, des auteurs. Et donc, je sais comment faire pour faire bouger la société. Sauf que je me rendais pas compte que c'était ce que j'étais en train de faire. Et puis, dans le cadre de la levée de fonds Lita, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens et certains m'ont dit « Mais en fait, ce que tu fais, c'est des livres à impact. » Donc, des livres à impact, c'est des livres qui peuvent vraiment changer la vie, changer la société, déboucher sur des mesures politiques et avoir des propositions concrètes pour rendre le monde un peu meilleur. Super. Et dernière question, à quoi va servir l'association des amis des éditions du Faubourg ? Alors, l'association des amis des éditions du Faubourg, c'est le constat que, pour moi, pour être cohérente dans ma démarche, il fallait rentrer dans l'économie sociale et solidaire. Donc, pour ça, je voulais pas que l'entreprise devienne une association, mais je voulais me doter à la fois des statuts d'entreprise de l'économie sociale et solidaire pour être clair sur le projet et la faible distribution des bénéfices et aussi la gouvernance et aussi le projet, enfin la mission sociétale. Et j'ai voulu me doter dans le même temps d'une association qui me permet en fait de déployer le projet dans la société. Par exemple, Demain c'est nous, c'est un livre qu'on a publié au mois de mars, qui est assez difficile à trouver en librairie, qui est préfacé par Cyril Dion et écrit par François Bernard et Heidi Seves. C'est un livre qui propose que tous les jeunes aient une éducation au changement climatique. Et on est en train de monter avec l'association Demain c'est nous la possibilité que dans tous les établissements du secondaire en France, cette option Demain c'est nous soit proposée. Donc ça veut dire un livre, un film, un kit pédagogique. Ça, c'est un travail énorme
qu'on va engager aussi avec les forces de l'association. Et l'association est aussi là pour me nourrir en idées, pour que je puisse ne pas louper des sujets importants et que je trouve les bons angles, les bons auteurs pour rendre compte des sujets qui vont intéresser les lecteurs demain. Super, merci beaucoup. Du coup, on vous souhaite plein de réussite. Maintenant, on va aller voir un quatrième projet. On va aller voir Caroline qui a monté la ferme des ailleurs. Bonjour Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la ferme des ailleurs ? Alors, la ferme des ailleurs, c'est une résidence de tourisme qui a pour vocation d'accueillir en priorité les aidants familiaux et leurs aidés. La question des aidants familiaux, ça devient une question de société, hein, quelques chiffres, 11 millions d'aidants familiaux. On a coutume de dire que c'est la première entreprise de santé de France. Si on supprime les aidants familiaux, tout notre système de protection s'effondre. Le problème, c'est que les aidants sont épuisés. Donc, un certain nombre d'offres s'est mis en place pour répondre à cette problématique de l'accompagnement des aidants. Mais les aidants, ce qu'ils souhaitent, c'est aussi prendre du temps pour eux, partir en vacances, pouvoir retrouver l'aider, mais en étant déchargé des contraintes de la vie quotidienne. Donc, la ferme des ailleurs, une résidence de tourisme qui s'adresse prioritairement aux aidants familiaux et leurs aidés, mais qui se veut ouvert à tous parce que nous prenons vraiment l'inclusion et la rencontre. Donc, avec des logements complètement adaptés à l'accueil de la grande dépendance, des activités complètement adaptées aussi, mais surtout aussi un tiers-lieu, puisque notre objectif, c'est d'ouvrir la ferme pour favoriser le développement économique, touristique, gastronomique, culturel, artistique, régional. Et donc, nous y déploierons des activités festives ouvertes à la population, parce que ça doit vraiment être un lieu de rencontre. Et donc, l'objectif, c'est une fois que je suis aidant, je suis là, tout est pris en charge, mon aidé est bien pris en charge, on a anticipé son séjour, on s'est occupé de ses médicaments, de son infirmière. Moi aidant, je retrouve mon aidé comme je le connaissais avant que la maladie ou le handicap soit survenu. Je revis des instants sensationnels et je sors de là, je suis retapée. Voilà, et j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer plein de personnes avec qui j'ai pu partager les problèmes, mais aussi d'autres personnes. La question des aidants, tout le monde en France va être concerné à un moment donné avec le vieillissement de la population, avec l'avancée en âge. Et donc, c'est un problème de société fondamental qui concerne tout le monde. Merci. Et donc, les aidants, tu disais qu'il y en a 11 millions aujourd'hui en France. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est un aidant et nous dire aussi pourquoi il y en a autant aujourd'hui ? Alors, un aidant, c'est une personne qui doit s'occuper d'un membre de sa famille qui est atteint de handicap, qui est atteint de dépendance liée à l'âge, qui est atteint de maladies évolutives. Parmi les 11 millions, il y en a plus de la moitié qui sont encore en activité professionnelle et qui sont eux-mêmes aussi parents. Enfin, donc, ça veut dire qu'en plus d'être parents, d'être en activité professionnelle, ils doivent s'occuper d'une personne plus âgée, des choses comme ça. C'est un fardeau terrible, hein, et qui finit par avoir des répercussions vraiment terribles sur leur vie quotidienne. Et dernière petite question, comment est né le projet ? Alors, le porteur, le centre Hélène Borel, donc c'est une association qui gère déjà des établissements et services dans le champ sanitaire médico-social sur l'accompagnement du handicap. Et on a une expérience de plus de 50 ans. Et en fait, la question des aidants, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais nous, ça fait des années qu'on l'a identifié, parce que quand on a ouvert des établissements, on s'est retrouvés face à des personnes, hein, je me souviens très bien, je faisais les admissions, et des gens qui nous disaient, s'il vous plaît, prenez mon fils, prenez mon mari, je n'en peux plus, je ne dors plus, je ne sors plus, je suis usée, je ne profite plus de la vie, s'il vous plaît. Non, enfin la vie, c'est pas ça, quoi, en fait. Et c'est pas parce qu'on a un aidé qu'on doit forcément s'en séparer, parce qu'aujourd'hui, les personnes souhaitent continuer à vivre à domicile. Et si on veut favoriser le maintien à domicile, il faut absolument que l'on puisse offrir un accompagnement complètement adapté aux aidants. Ah, super, merci beaucoup. Bon courage. On va aller voir un dernier projet qui s'appelle Réalité. Et on va aller voir Luc.
Donc, bonjour Luc, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de réalité ? Bien sûr. Donc réalité, on est une entreprise qui a maintenant une vingtaine d'années, on est 1300 collaborateurs, on travaille à la fois dans la maîtrise d'ouvrages, tous les projets immobiliers, les réfections de quartier, les grands projets urbains, et l'autre moitié du groupe travaille dans ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, on exploite de la petite enfance avec des crèches jusqu'aux résidences personnes âgées en passant par les résidences étudiantes. Donc à tous les niveaux de vie de l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, en réalité, on est une entreprise à mission. On a très gros objectifs en RSE parce qu'on est dans le secteur le plus catastrophique en énergie, en environnement et en gaz à effet de serre aujourd'hui. 45% de la consommation énergétique en France, c'est le bâtiment. 25% des gaz à effet de serre, c'est le bâtiment. Donc, on est le secteur le plus catastrophique. C'est à nous de faire le plus d'efforts. Et chez Réalité, c'est dans notre ADN depuis des années. On a cette ambition d'aller au-delà, de pouvoir faire beaucoup plus. Donc, on a décidé d'aller jusqu'à 41% de réduction de nos gaz à effet de serre avant 2031. On a commencé en 2020. On a déjà fait la moitié du chemin en 3 ans. L'autre moitié est la plus difficile, là, dans les 7 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui chercher de l'aide pour continuer à financer cette stratégie. Il faut complètement rénover, renouveler et faire une révolution dans la manière dont on construit aujourd'hui. Il faut sortir du béton pour aller vers le bois. Donc, on a une filiale totalement dédiée avec une usine qui fait de la construction hors site biosourcée qui est basée à Rennes, qui nous permet d'atteindre une partie de cette stratégie. Et puis, sur l'énergie, on a décidé de sortir l'ensemble de notre parc. On ne veut plus avoir de projet avec du gaz. On veut partir essentiellement sur du renouvelable. Donc, tous ces enjeux-là aujourd'hui font qu'on a besoin d'aller chercher de l'accompagnement. On avait déjà fait l'année dernière une première campagne avec l'ITA pour 3,5 millions. Là, on voudra aller chercher 2 millions complémentaires pour révolutionner la manière dont on construit et avoir quelque chose de beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et j'ai vu que dans votre communication, vous utilisez le concept d'intensité carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre intensité carbone et empreinte carbone ? Aujourd'hui, quand on parle globalement d'empreinte carbone, c'est l'ensemble de la consommation qu'on peut avoir. Et quand on parle de l'intensité, c'est le nombre, l'impact carbone par mètre carré construit. C'est-à-dire pour un même mètre carré, dans un bureau ou dans un logement, on veut pouvoir avoir l'intensité la plus favorable. On veut baisser réellement notre production. Parce que dire dans l'absolu qu'on va baisser si on construit toujours plus, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut vraiment que par mètre carré construit, que chaque logement, demain, quand une famille viendra dans un logement, elle saura que son logement a consommé 41% de moins de carbone que les autres. Et peut-être une dernière question. En ce moment, on dit qu'il y a une crise immobilière. Est-ce que cette crise immobilière, elle concerne tout le monde ? Est-ce qu'elle vous concerne ? Et quel est ton point de vue là-dessus ? Effectivement, l'immobilier traverse une crise comme il n'en a pas connue. 80% de moins sur le tertiaire, 40% de moins sur le logement, mais c'est le bon moment justement pour aller vers une autre manière de faire. Et les crises sont aussi aujourd'hui porteuses d'opportunités. Nous, ça fait longtemps qu'on veut avoir cette stratégie autour du bois, longtemps qu'on veut avoir cette stratégie autour du carbone, mais c'est le moment de la mettre en avant, c'est ce qui fera la différence. Et à un moment donné, c'est aussi ce que les uns et les autres vont pouvoir trouver dans le logement, le bureau dans lequel ils habiteront demain. Ah, super, merci beaucoup. Alors, du coup, on arrive sur la fin. Donc, moi, je vais vous retrouver tout à l'heure sur scène pour vous parler d'écologie consciente mais positive. Vous pouvez continuer à suivre le live sur la plateforme. Et à très vite et à très bientôt. Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Donc c'est Lita qui reprend le micro. Merci, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes plus d'une centaine connectés. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié la petite balade dans le village de Lita avec la présentation de plusieurs entreprises qui sont en cours de levée de fonds sur notre plateforme, que vous connaissez du coup sûrement déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans le chat, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition de la soirée Pitch for Impact, soirée du coup, une soirée pour financer aujourd'hui l'économie de demain, donc une soirée qui est organisée par l'ITA.co, comme vous le savez, à la rencontre des entrepreneurs et entrepreneuses engagées.
Merci beaucoup, Mamad, pour cette présentation, d'avoir guidé cette première partie. Pour vous rappeler un petit peu le déroulé de cette soirée, il y aura d'abord donc un mot d'introduction de la part de Julien Benayoun et d'Eva Sadoun, les deux cofondateurs, fondatrices de Lita.co. Et ensuite, on aura le plaisir de faire monter sur scène sept entreprises qui sont en cours de levée de fonds aussi sur la plateforme, qui ont été sélectionnées pour pitcher face aux potentiels investisseurs. Donc voilà, il y en aura beaucoup présents sur place et vous aussi du coup qui serez là pour les écouter. Donc voilà, les sept entreprises qui sont sélectionnées pour pitcher sur scène, il y aura donc Synergy Family, Maoboa, La Foncière Chenley, Télécop, Looksport, Tote et une entreprise surprise. Voilà, on a un pitch surprise à la fin, on vous laissera découvrir la toute dernière mise en ligne sur la plateforme. Voilà, n'hésitez pas à nous confirmer dans le chat aussi si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation. Les sessions pitch vont bientôt commencer. On a encore quelques minutes. Tout se prépare. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. J'ai vu qu'il y avait plusieurs régions qui étaient représentées. Et les villes de Marseille, Montpellier, La Rochelle. N'hésitez pas à nous dire voilà, de quelle ville vous venez. La Bretagne aussi est représentée, ça fait plaisir. En tout cas, on a de nombreuses entreprises qui sont en cours de levée de fonds et qui proviennent de plusieurs régions différentes, dont Marseille, la Bretagne, la région Occitanie, la région de Nantes aussi. Et je vois que dans les participants, on a l'Alsace, la Martinique, Bordeaux, Voiron en Isère, le Nord aussi, on a la Foncière Chenley, qui a son siège du coup dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ce soir, car il y a également un quiz, un jeu concours lors de cette soirée. Donc, il y a 3 codes promo d'une valeur de 100 euros qui sont à gagner pour investir sur Lita.co jusqu'au 31 décembre. De cette année 2023 dans les projets de votre choix. Donc voilà, il y aura un quiz qu'on va vous partager qui sera partagé également aux personnes qui sont présentes en physique à l'événement et vous pourrez du coup répondre à une douzaine de questions, ça dure 3 minutes. Le concours sera ouvert jusqu'à 23h ce soir et donc il y aura donc ces 3 codes promo 200 euros à gagner pour investir avant la fin de l'année qui sera offert donc aux participants qui auront les meilleurs résultats au quiz. Donc voilà. À vous de jouer, il y aura donc 3 gagnants ce soir. Merci d'être avec nous. Je vois qu'on est toujours plus de 110 connectés. On va pouvoir vous partager très bientôt le lien du quiz pour pouvoir gagner les 3 lots correspondants dont je vous parlais. Hop. Donc ce sera des questions posées hein, au sujet des entreprises qui sont en cours de levée de fonds, celles qui pitchent du coup, voire aussi tester vos connaissances sur l'ITA. Donc voilà, vous verrez, c'est assez ludique. En attendant qu'on commence aussi, moi je vous invite lors des pitchs, il y aura une première session pitch de la part des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et ensuite il y aura une partie questions-réponses. Donc il y aura des questions remontées des personnes qui sont là physiquement ce soir, mais aussi on pourra transmettre vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié en bas à droite de ce chat. Vous avez un onglet dédié questions. On pourra les retransmettre en direct pour les poser aux entreprises en direct. Oh là là, on a aussi de l'Allemagne, d'Italie et Isabelle qui se connecte depuis Marseille pour soutenir Synergy Family. Et oui,
association marseillaise sur la plateforme. Merci beaucoup d'être là et merci pour le soutien. Il y a Audrey aussi qui salue la team Synergie Family. Décidément, ils sont représentés ce soir. Je vois aussi que Yann est connecté depuis la Savoie, Anne depuis la Suède. Génial. En attendant aussi que ça commence, si vous voulez, vous avez aussi une question qui est en cours dans l'onglet sondage. Vous avez normalement accès. Voilà, qui devrait être visible dans l'onglet sondage pour savoir juste comment vous avez connu Lita. Est-ce que c'est par de la communication faite par Lita? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Eva Sadoun dans les médias, par un podcast, une présentation télé, dans la presse? Est-ce que c'est une entreprise qui a enlevé de fonds, qui vous a fait découvrir la plateforme? Est-ce que c'est du bouche à oreille, vos proches, vos collègues? Est-ce que c'est juste vous recherchez à diversifier, à mieux orienter votre épargne vers des entreprises responsables et vers la transition écologique et sociale? Voilà, est-ce que c'est un réseau de cabinets de gestion de patrimoine? Est-ce que vous faites partie d'un club de business angels? Voilà, n'hésitez pas à répondre à la question, ça nous permettra de mieux savoir aussi comment vous avez connu la plateforme. En tout cas, pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien la plateforme Lita, n'hésitez pas à regarder sur notre site, on organise des webinaires de bienvenue. Je pense que pour beaucoup, vous connaissez, mais peut-être pour certains, non. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de bienvenue. On vous présentera donc la plateforme en détail et notre engagement, notre mission et comment investir sur la plateforme. Car aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités d'investissement sur lita.co. Vous pouvez diversifier votre épargne et nous, on vous accompagne dans votre projet d'investissement tout au long de l'année. On va du coup d'ailleurs vous partager dans le chat l'invitation, enfin, plutôt le lien d'inscription du prochain webinaire de bienvenue qui est prévu prochainement. C'est mon acolyte Lounès qui est aussi connecté dans le chat et qui pourra aussi répondre à vos questions si besoin. C'est lui qui va vous envoyer le lien. Merci Lounès. 1, 2. Bonsoir, la soirée va bientôt commencer, excusez-moi. C'est pour les personnes ici, est-ce que... Ils m'entendent pas du coup? Montez le son. La soirée va bientôt commencer, est-ce que les personnes qui sont côté village peuvent commencer à s'asseoir? Hein? Vous parlez fort dans le micro? En fait, c'est le micro qui porte pas là-dedans. Les aléas du direct. On va bientôt commencer. Ça rend là-bas ou pas? Ça rend là-bas ou pas? Petite connexion entre la salle et le direct, ça va commencer. Voilà, on vous invite à bien suivre les pitchs, car il y a certaines questions du quiz qui seront posées sur ces entreprises. Puis on vous laisse poser vos questions aussi dans l'onglet questions, on pourra les poser en direct. Merci beaucoup encore à toutes et à tous pour votre participation, vous êtes très nombreux, et à tout à l'heure.
tous et à toutes. Bienvenue. Ravi de vous accueillir. Ça fait toujours chaud au cœur de vous retrouver aussi nombreux et nombreuses. Ça va faire presque 10 ans. Notre première Pitch for Impact, c'était en avril 2015. Et on a toujours voulu mettre au cœur des rencontres humaines, essayer de faire de la pédagogie autour de la finance, de créer des liens entre des épargnants qui sont soucieux de où orienter leur épargne et des entrepreneurs qui mettent leur énergie pour répondre à nos enjeux actuels. Et on est ravis de continuer ça et que ça soit pérennisé et que aujourd'hui dans la salle on a des multi-investisseurs, on parle des investissements passés, des sorties de l'avenir. C'est très chouette, ça nous fait chaud au cœur que et ça nous rend aussi fiers de ce qu'on a pu faire avec l'ITA et de vous voir aussi nombreux et nombreuses. On a ensemble une heure, je vais essayer d'être la personne qui vous tient en éveil, qui va aussi mesurer le temps, essayer de donner la parole à des personnes toutes autant inspirantes les unes que les autres. On va avoir plusieurs moments forts, une session de pitch, où en fait vous avez 7 entreprises qui vont venir pitcher, elles auront chacune 5 minutes pour vous présenter leur activité. C'est assez court, on vous a mis un peu des raisons pour investir dans un petit fascicule que vous avez dû recevoir à l'accueil. Et ensuite, vous aurez le droit à 2 questions et une question aussi des internautes qui sont en ligne avec nous. Après, on aura en interlude Mamadou Dembélé, qui est un investisseur à impact, mais aussi un influenceur écolo et positif, qui va nous faire une introduction sur son travail de pédagogie, de sensibilisation qu'il fait pour un peu nous éveiller. Et après, on aura aussi le village. Vous avez différentes entreprises qui sont là, ici présentes. Vous pourrez leur poser des questions et continuer également les échanges avec l'entreprise qui sont venues pitcher. Et avant d'échanger avec Eva qui va nous introduire aussi l'économie du Caire, quelques nouvelles sur l'ITA. 2023, c'est une année assez forte pour nous parce que on a réalisé une levée de fonds auprès d'investisseurs d'un montant assez significatif de 8 millions d'euros pour nous permettre de continuer à vous apporter le meilleur de la finance à impact, de la meilleure sélection des projets qui cherchent des financements, également de diversifier notre offre d'investissement sur l'ITA. Aujourd'hui, on propose d'investir en capital dans des jeunes sociétés, en dette dans des PME plus matures, et demain, on va aussi vous accompagner à soutenir le développement des énergies renouvelables, œuvrer à travailler sur la rénovation de nos bâtiments, et également accompagner les entreprises à transformer le modèle vers plus de vertus, notamment sur des angles carbone, des angles biodiversité ou des angles également d'emploi local pérenne. Deuxième élément fort aussi de cette année, on a obtenu notre agrément européen. Le secteur a évolué, il y a un nouvel agrément qui est arrivé sur le secteur. C'est un moment important aussi parce que le secteur va du coup être amené à se professionnaliser avec des fonds propres qui doivent être toujours plus forts pour que la plateforme soit plus résiliente, plus de transparence auprès des épargnants, et on est très fiers de l'avoir obtenu après beaucoup de travail, et j'espère que vous le verrez dans le service qu'on vous propose, qu'on tend toujours à s'améliorer et à vous proposer le mieux. Et également, enfin, on continue de grandir. Aujourd'hui, on est quasiment 50 personnes chez l'ITA, et on continue une croissance de collecte. L'année passée, on a collecté 30 millions, et cette année, on va atteindre une collecte de 40 millions d'euros, ce qui nous fait être l'un des acteurs les plus importants aujourd'hui en France de l'investissement à impact. Merci à vous. Et je vous présente pas Eva. Eva est ma cofondatrice, mon associée, mon amie, et je suis toujours admiratif et fier de travailler avec elle à ses côtés. Et en plus de cette déclaration d'amour, je te laisse inspirer aussi, comme tu nous inspires au quotidien chez l'ITA, des sujets et du compact humain pour changer et inspirer l'économie et la finance. Bravo Julien. Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. 10 ans, c'est aussi un moment hyper important pour nous, pour se demander pourquoi en fait on fait tout ça. Parce qu'effectivement, il y a 10 ans,
ce qu'on faisait était vraiment, on était des ovnis, quoi. Je me rappelle que le premier rendez-vous qu'on a fait avec Julien et des professionnels un peu du secteur de l'investissement qui nous prenaient pour des fous en nous disant, non, mais les gens sont pas, savent pas investir, il faut nécessairement avoir ce bagage pour comprendre quelles sont, comment l'économie doit se comporter. Et puis, de l'autre, on nous disait, mais des entreprises sociales, écologiques, non, mais c'est un oxymore, machin. Et on voit aujourd'hui à quel point ces mots-là sont rentrés dans le langage commun, que le secteur financier essaie de prendre en compte ces impacts écologiques et sociaux. Bon, dans une limite quand même, hein, assez frappante, mais en tout cas, il y a un élan global et que ces termes sont des termes stratégiques et qu'on sent que c'est cette voie-là de la transition écologique et sociale qu'il faut prendre si on veut redresser nos économies. Et du coup, nous, ça nous pose la question de... 10 ans plus tard, est-ce qu'on a toujours la même vision de l'investissement durable? Finalement, dans cette espèce de discours, de débat un peu caricatural qu'on voit en ce moment, avec d'un côté les gens qui nous disent c'est le toujours plus, mais le toujours plus vert avec la croissance verte et blablabla, c'est comme ça qu'on va réussir à maintenir nos modèles avec à travers énormément d'innovations pour maintenir nos niveaux de vie. Et puis de l'autre, des gens qui nous disent il va falloir juste arrêter tout, faire moins, vivre avec moins, et on n'arrive pas nécessairement à se retrouver. Parce que, et bien sûr qu'il va falloir décroître, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nos modes de vie réellement? Est-ce qu'on va les transformer? Est-ce qu'on va juste avoir moins parce qu'il y a des gens qui ont déjà pas beaucoup? Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement concrètement cette idée de la décroissance? Mais on a voulu effectivement creuser ces sujets et poser la question de nous, Lita, comment on s'inscrit dans cette transformation de l'économie? Et on essaye en ce moment de travailler effectivement sur une troisième voie qui n'est pas révolutionnaire en soi, mais finalement qui est peut-être la voie, la racine vers laquelle on va devoir se tendre si on veut effectivement trouver une alternative à nos économies. C'est l'économie du care. Alors, qu'est-ce que c'est que le care? Le care, c'est un principe simple qui est de mener une action qui vise à préserver la nature, prendre soin les uns des autres, préserver notre planète, etc. Le care, c'est, il y a une dimension intime, personnelle, c'est-à-dire comment je prends soin des autres dans ma vie, et puis il y a une dimension politique, économique, comment faire en sorte que l'économie, la finance, le système politique soient tournés vers ce soin. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre que les indicateurs de succès de nos économies, nos modèles de réussite, sont pas nécessairement tournés vers le soin. C'est d'ailleurs peut-être un des problèmes de nos systèmes, de nos démocraties, et on l'a vu pendant le Covid, que quand finalement on est dans une situation de vulnérabilité, ce qui nous est utile n'est pas nécessairement ce qui est le plus valorisé économiquement au quotidien. Donc ça veut dire quoi faire de la finance du care finalement? Faire de la finance du care, c'est déjà faire ce que vous faites, c'est réincarner déjà ce qu'on fait. Donc c'est complètement repenser la manière dont on perçoit l'épargne, dont on perçoit un système. Aujourd'hui, par l'ITA et quelques autres acteurs, mais ça reste assez marginal, il y a peu d'acteurs qui vous proposent comme ça de créer du lien, de voir vraiment le visage de ce que vous financez réellement. Donc c'est déjà faire ça. C'est effectivement sortir d'une vision extractiviste aussi de l'économie, donc réfléchir à l'économie, comment elle peut être un allié aux combats sociaux, aux combats climatiques, et pas un moyen de dominer la nature, de dominer les humains, etc. Donc c'est à travers les entreprises merveilleuses qui vont vous être présentées ce soir. Et c'est aussi prendre soin dans nos manières d'agir. Donc se poser réellement la question de pas tomber, et c'est un combat tous les jours quand on est une startup comme l'ITA, de pas tomber dans une vision très industrielle, très quantitative, etc. de notre développement, de la croissance, et toujours essayer d'incarner aussi ce que l'on porte sur la plateforme, donc d'incarner une entreprise qui prend soin déjà de ses salariés, c'est déjà important, dont ses salariés prennent soin de l'entreprise, incarner une entreprise également qui se pose toujours des questions, qui se remet toujours en question dans la manière dont elle sélectionne ses projets, dans la manière dont elle accompagne ses investisseurs. C'est toujours imparfait. Le soin aussi, finalement, nous permet aussi de reconnaître cette imperfection, c'est-à-dire que si on se responsabilise, si on pense qu'on est responsable de nos actions, on peut d'un coup reconnaître notre imperfection parce qu'on sait à quel point on ne peut pas individuellement aussi être parfait, mais en tout cas d'avoir cette recherche et intégrer cette question permanente dans nos modèles. Alors, c'est une notion qui est assez banale en soi, mais malheureusement qui est très écartée aujourd'hui des manières de faire et qui, pour moi, sera une notion, je pense, qui sera capable de nous permettre de repenser nos modèles de société dans la manière dont on évalue les choses, dans la manière dont on quantifie la réussite, dans la manière où on évalue son action individuelle et dans la manière dont on prend soin de nous-mêmes aussi, avec la question aussi de repenser concrètement qu'est-ce qui me rend réellement heureux, et peut-être qu'à travers ce bonheur-là, je vais réussir à être aussi une personne qui agit
en faveur de la planète, en faveur des autres, etc. Donc voilà, c'était juste pour apporter un peu cette notion qui est une notion en fait finalement qui est assez présente depuis très longtemps dans beaucoup de milieux. Elle, c'est une notion qui vient du milieu féministe, hein, je vais pas vous le cacher, mais c'est pas pour rien, c'est-à-dire que la socialisation des femmes et des milieux féministes a toujours incubé des notions très fortes de care, parce que je vais pas vous le cacher non plus, les femmes ont été socialisées d'une manière à effectivement prendre soin. Et d'ailleurs, les grands économistes ont pensé l'économie libérale selon ces questions-là, en séparant cette sphère privée dans laquelle les femmes prendraient soin, et puis la sphère public et la sphère du travail, la sphère de l'économie, la sphère de la politique, qui est une sphère qui est productive et qui est vraiment séparée de la sphère du soin. Alors l'objectif maintenant, c'est de tout réconcilier et de se dire qu'en tant qu'individu, simplement, on doit avoir cette double responsabilité d'organiser la société, de prendre soin de la société. Et c'est ça qu'on essaye aussi de faire à travers l'ITA, en responsabilisant les individus et en les rendant acteurs. Et vous le faites merveilleusement, donc je voulais aussi surtout vous dire merci à vous et merci à l'équipe pour le travail fou qui est fait sur ces pitch for impact et le cœur qui est mis au quotidien à l'œuvre dans le développement de cette entreprise. Voilà. Merci. Merci. Merci Eva de lancer cette soirée qui doit être une soirée sur l'énergie positive. On va vous présenter que des bonnes nouvelles et on va oublier un peu le contexte externe. Là, c'est vraiment, voilà, on va repartir tous avec une énergie top. J'ai oublié de dire deux choses. La première, c'est qu'il y a des, on va vous mettre à contribution. Deux défis. Le premier, c'est que parmi nos 7 entreprises qui vont présenter et pitcher, 3 d'entre elles vont avoir la chance de présenter leur entreprise sur l'émission de, comment il s'appelle, le fondateur de Bacar. De Frédéric Mazzella qui s'appelle Les Pionniers et qui est sur BFM. Et du coup, il nous a demandé de voilà, de pouvoir inviter les 3 meilleurs pitchers selon vous pour qu'ils passent dans son émission dans les prochaines semaines. Et donc pour cela, vous allez avoir la possibilité à la fin de répondre quelle est la société dans laquelle vous souhaitez investir, et c'est à partir de ça qu'on pourra déterminer quels sont les 3 meilleurs. La deuxième, c'est que on va proposer à 3 personnes de gagner un investissement sur l'ITA de 100 euros. Derrière vos petits livrets, vous avez un QR code dans lequel vous allez pouvoir répondre à des quiz. Donc, c'est des questions un peu comme si vous étiez analyste financier qui portent sur les entreprises. Et ceux qui vont répondre tout bon, sans faute, vous aurez du coup un bon d'achat, un bon d'investissement de 100 euros pour peut-être réaliser votre premier ou votre plus de 100e investissement, parce qu'on a des multi-investisseurs chez l'ITA. Voilà, ça c'est pour le petit jeu, pour aussi vous inciter à rester éveillé, mais je n'en doute pas. Pour continuer dans l'économie du care, on va commencer avec un premier projet qui est complètement dedans, qui prend soin de des jeunes. Et du coup, j'ai l'honneur d'inviter Synergy Family, Franck et Laurent, qui vont nous présenter une association qu'on connaît bien chez l'ITA, parce que ils sont déjà venus, étaient financés, remboursés leur engagement, et là ils viennent pour un nouveau projet. Merci à vous et à vous de jouer. Bon, bonsoir à tous, ravi d'être ici sur la scène du LITA. On est venu ici déjà il y a 5 ans pour notre toute première levée de fonds. Et donc vous allez voir, on a parcouru un tout petit peu de chemin depuis. Et ben, ce soir, je suis pas tout seul, je suis avec mon acolyte, mon ami depuis près de 25 ans, Franck. Eh bien, bonsoir à tous, moi je suis Franck Tortel, cofondateur de Synergy Family. Pour parler un peu de mon parcours, moi je suis allé à la fac, j'ai étudié les langues étrangères appliquées pour partir dans une carrière dans l'import-export ou le management international, mais j'ai eu de la chance, j'ai jamais fait ça. J'étais moi passionné d'animation et c'est elle qui m'a offert ma première opportunité, celle de débuter ma carrière à l'organisation de centres de vacances où j'ai travaillé pendant 20 ans et c'est ce qui m'a permis de rencontrer Laurent. Ouais, moi, l'école, c'était un calvaire, un véritable calvaire. Par contre, j'ai de la chance, j'ai une passion. Ma passion à moi, c'est le sport, particulièrement le taekwondo. Alors, quand un jour, on me propose de venir travailler pour donner des cours de taekwondo, c'est un immense déclic. En fait, dans la vie, il est possible de faire ce qu'on aime avec ce qu'on aime et en plus d'être payé pour le faire. Ce déclic et la rencontre avec Franck a donné naissance à l'esprit de Synergy Family. Toute notre idée, c'était de partir des talents, des passions de chacun pour bâtir des projets d'épanouissement et vraiment, avec ça, changer des destins.
Alors au début, Synergie Family, aucune ambition entrepreneuriale. On intervient en pied d'immeuble jusqu'en 2014, où en 2014, la ville de Marseille vient nous chercher parce que ils ont besoin d'animateurs périscolaires pour remplir les 470 écoles de la ville. Donc on va travailler aux côtés de la ville de Marseille et on se rend compte de la puissance de ces temps périscolaires. Dans ces temps périscolaires, notre job, c'est de proposer des activités à forte valeur éducative. Notre job, c'est de créer des expériences qui permettent de mettre en lumière d'autres formes d'intelligence, d'autres formes de talent que ceux qui sont révélés dans les temps scolaires. Et donc, née la vision de Synergie Family, on devient un véritable acteur de l'éducation et on grandit. On passe de 2 copains à près de 200 collaborateurs. On est en 2019, la première fois où on vient vous voir, et il est temps pour nous de nous structurer, de développer une vision et de poser les premières bases de ce qu'allait devenir réellement Synergie Family. Et bien, le résultat, c'est que 5 ans plus tard, Synergie Family s'articule autour de 3 métiers. Le premier, c'est l'animation péri- et extrascolaire, s'occuper des enfants dans les écoles et en dehors. Le second, c'est l'accompagnement et la remobilisation des personnes vers l'emploi. Et le troisième, c'est la gestion d'équipements publics ou de tiers-lieux. Alors, en quelques chiffres, voilà ce que ça donne. En 2019, nous étions 200 collaborateurs. Aujourd'hui, on est pas loin de 600. En 2019, on avait un chiffre d'affaires autour de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, on est autour de 18. En 2019, on était présent autour de Marseille localement. Aujourd'hui, on est présent dans 5 régions de France. Et on continue à révéler de nombreux talents de porter tout un ensemble de projets fous. Difficile de parler de Synergie Family sans vous toucher un petit mot un peu rapide de l'épopée. On n'a pas le temps de vous raconter toute l'histoire. Mais en gros, on avait besoin d'un lieu pour développer, pour accueillir nos équipes et pour porter le temple, pour devenir le temple de notre vision. Ce lieu, c'est devenu l'épopée. On a racheté un grand groupe international, les locaux, en plein cœur des quartiers nord de la ville de Marseille, 19 000 m2, pour environ 14 millions d'euros qu'on a levé en quelques mois grâce à des partenaires et des investisseurs. Et voilà, ce projet, c'est le village de l'innovation éducative. Si vous avez l'occasion de passer par Marseille, passez nous voir. C'est un projet atypique avec une énergie très particulière. Alors, on savait déjà en 2019 qu'on était très intéressé par un projet immobilier à impact. Ce qu'on sait aussi depuis très longtemps à Synergie Family, c'est à quel point il est important pour nous de s'investir dans la petite enfance. Depuis notre création, Synergie Family commence à intervenir auprès des enfants dès la maternelle, c'est-à-dire à partir de 3 ans. Pour autant, on sait que les premières inégalités, elles commencent dès la naissance, entre 0 et 3 ans, et ce pour 3 raisons en particulier. La première d'entre elles, et c'est le schéma que je vous ai mis ici, c'est que le principal développement cognitif de l'enfant se passe entre 0 et 3 ans. La deuxième raison, c'est que quand on aborde le sujet de la petite enfance en France, on l'aborde toujours sous l'angle de la garde d'enfants. Il faut libérer les parents, les mamans, les papas pour qu'ils puissent aller travailler. Le vrai sujet de la petite enfance, c'est un sujet d'éducation à la petite enfance compte tenu de ce que je vous montre ici. Le troisième point, c'est que malheureusement, comme souvent, c'est les enfants des foyers les plus modestes qui accueillent le moins, qui ont le moins accès, pardon, à un mode d'accueil de jeunes enfants. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que Synergie Family a décidé de s'investir maintenant dans le secteur de la petite enfance. Alors, opérationnellement, comment ça se passe, me direz-vous? Eh bien, il y a 2 ans, on a reçu une première sollicitation pour soutenir 2 micro-crèches sur la ville de Marseille, qui étaient en grande difficulté. On a mobilisé nos équipes autour de ce projet. Aujourd'hui, ça se passe bien et on a fait une proposition de rachat. On a répondu à un certain nombre d'appels d'offres pour gérer des crèches publiques. Et surtout, le troisième point, c'est d'avoir participé à un consortium qui est animé par l'ANRU et Méridiam et qui vise dans les prochaines années à ouvrir plus d'une centaine de crèches sur le territoire national. À ce stade, nous, on a à peu près 10 projets dans les tuyaux, dont certains devraient voir leur ouverture avant la fin 2024. J'oublie de vous signaler une chose aussi, la naissance de la marque de crèche de Synergie Family qui s'appelle Babyscovery. Je crois que le temps imparti est terminé, donc voilà, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc du coup, vous pouvez soutenir et investir dans Synergie Family à travers une obligation qui a un taux d'intérêt de 5,77%.
sur une durée de 5 ans. Alors on va prendre des questions du public. Comme je vous le disais, dans le petit fascicule, vous avez les raisons pour investir qui ont été identifiées par les équipes. C'est tout un process d'analyse. Hein. Uniquement 3% des dossiers qui candidatent sur l'État vous sont présentés. Et également sur la plateforme, vous avez accès à beaucoup plus d'informations, les BP, le DEC, l'historique en termes financiers, la vision, mais c'est encore mieux de l'entendre de vive voix. J'ai brodé pour avoir une première question. Qui se lance? C'est toujours la plus dure. Ah, super. Merci beaucoup. On va vous donner un micro si vous voulez. Très bien, merci. Moi, je voulais savoir quelle est votre proposition de valeur pour les crèches que vous allez créer et comment ça se différencie par rapport aux crèches que l'on trouve aujourd'hui. Alors déjà, merci pour cette question qui est essentielle parce que c'est frustrant 5 minutes, sachez-le. Surtout pour nous qui sommes très bavards. Est-ce que ça veut dire que pour cette réponse, on peut avoir 2 heures? Non, de façon très concrète, en fait, Synergy Family, on est un acteur de l'innovation en éducation. On porte depuis 2 ans maintenant un programme qui s'appelle les héros discrets de l'éducation, mais qu'on aurait pu appeler les héroïnes discrètes de l'éducation, puisque 80% des personnes qui travaillent dans les accueils de jeunes enfants sont essentiellement des femmes. Et en fait, la remarque qu'on s'est fait, c'est que très souvent, les niveaux de formation sont pas à la hauteur de l'impact que ces personnes-là ont sur la vie des enfants. Et donc, en fait, on est allé s'appuyer sur des recherches en neurosciences, sur le Learning Planet Institute pour créer des contenus de formation qui sont à la hauteur de ces enjeux. Si ça vous intéresse, on vous mettra une vidéo, puisqu'on a créé des centaines d'heures et de contenus qui vont s'appuyer sur les neurosciences, qui vont appuyer sur comment est-ce que, par exemple, le regard d'un adulte va changer de façon très importante la dimension cognitive de l'enfant, son développement émotionnel. Et donc voilà, c'est vraiment ces aspects-là qui sont essentiels pour nous. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Et je pense qu'on peut répondre aussi sur le deuxième volet, notamment sur l'organisation des crèches en interne. Alors, au-delà de l'organisation, c'est vrai que ça passe très vite dans le discours, mais encore une fois, le message qu'on veut porter, c'est que à l'heure actuelle, dans la plupart des cas, je le redis, ce que représente la crèche, c'est un système de garde pour les enfants. Et c'est absolument pas le message que nous souhaitons porter. On a aujourd'hui des rapports et des recherches qui montrent à quel point l'importance des 1000 premiers jours chez l'enfant et pour son développement sont capitaux. Et donc, ce qu'on entend là, c'est bel et bien porter une véritable pédagogie et une véritable éducation au travers de tout ce qui va être proposé aux enfants qui fréquentent nos crèches pour plus que les personnels dont parlait Laurent et qui vont pouvoir suivre ces modules de formation des héros discrets de l'éducation, puissent être eux aussi accompagnés vers, en plus de la proposition actuelle qui est majoritairement hygiénique, sanitaire et sécuritaire, qu'on puisse considérer la totalité de son développement, qu'il soit cognitif, moteur, etc. etc. Merci beaucoup. Une question en ligne, parce qu'on a des centaines de personnes qui suivent aussi en visio. C'est les effets positifs des périodes de confinement aujourd'hui. On permet aussi, pas uniquement des Parisiens de suivre, mais au niveau national. Où vous vous voyez dans 5 ans, quelle est la vision de Synergy Family? Alors, deux choses. Je pense que, Franck, tu parleras des chiffres. Moi, je vais vous donner la vision. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de vous dire. C'est notre ambition réelle, c'est de changer le mindset sur l'importance de ces 3 premières années, sur ces 1000 premiers jours. C'est de faire prendre conscience dans notre pays, et c'est le cas dans d'autres pays aujourd'hui, que le sujet de la petite enfance, c'est pas un sujet de garde, c'est un véritable sujet d'éducation, et que l'importance, la valorisation des métiers, de ces acteurs et ces actrices de la petite enfance, que les contenus de formation, que les qualifications, que les projections de carrière, elles soient à la hauteur de l'enjeu que ces 3 premières années ont sur la vie de ces enfants, de ces futurs adultes et donc de ces futures générations. Je sais pas si vous applaudirez les chiffres aussi fort. Mais alors, s'il faut parler de Synergy Family, évidemment, on va continuer à se développer sur nos 3 branches de métier. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et on vous en a expliqué la progression depuis 2019. Ça va continuer sur d'autres territoires et sur nos activités. Ça, c'est la première chose. Si maintenant, il faut parler des crèches, eh bien, comme on vous l'a expliqué, on a aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de projets qui sont dans les tuyaux. Ça veut dire que dans les
3-4 prochaines années, on aura environ 10 crèches qui seront ouvertes. Il y en a automatiquement d'autres qui vont rentrer en développement avec cette ambition que peut-être alors on était à 5 ans. À 5 ans, on aura peut-être une quinzaine de crèches et j'irai jusqu'à 10 ans où peut-être notre visée, c'est de pouvoir avoir dans Baby Discovery une trentaine de crèches réparties sur le territoire de manière à pouvoir essayer d'inspirer et appliquer toutes nos pédagogies et nos théories. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une question en salle? Sinon, j'en ai une en ligne. Ah. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question concernant les premières crèches que vous avez ouvertes. Donc, j'ai entendu votre présentation, vous parliez de 2019, on est en 2023, il y a 4 ans. Est-ce que vous avez un retour de votre méthode sur l'évolution des premiers enfants par rapport à potentiellement quelqu'un qui n'aurait pas été dans votre crèche? Alors, peut-être qu'on n'a pas été assez clair sur le sujet, donc merci de la question. En fait, on n'a pas ouvert nos crèches en 2019. Hein. En 2019, c'est la première fois où on est venu voir l'ITA pour le développement de nos différents programmes et projets. Donc, on a beaucoup grandi sur nos métiers historiques. Et la crèche, c'est beaucoup plus récent. Et peut-être que tu peux en toucher un mot, Franck. Alors, bien sûr. Donc, ce qu'on disait dans le pitch, c'est il y a 2 ans, cette première sollicitation qui arrive sur les 2 crèches dont je parlais dans l'exemple. Et peut-être que au-delà de valider nos théories ou autres sur le sujet, et ça prendrait longtemps, ce que je peux vous dire, c'est que on récupère 2 crèches qui sont en grande souffrance, en manque de personnel, en sous-effectif, des parents inquiets. Je parlais de sécurité tout à l'heure. Eh bien, la sécurité, il n'y était pas au moment où on mobilise nos équipes. On se trouve quelques mois plus tard en ayant ramené encore une fois les fondamentaux, la sécurité, le sanitaire, l'hygiène, etc. pour l'enfant, et en commençant à, par la base, co-construire un véritable projet de crèche en y associant la totalité des personnels qui ont été qui étaient dans ces 2 fameuses crèches. Et ce que je peux vous dire, c'est que les personnels qui encadrent les enfants actuellement sont les mêmes maintenant depuis 1 an et demi. Et je sais pas si vous le savez, mais le recrutement, au-delà d'être en tension dans tous les secteurs en France, la crèche et la petite enfance est un secteur qui est particulièrement touché. D'où l'intérêt, encore une fois, de savoir être attractif dans la proposition, de permettre aux gens de s'exprimer et de co-construire un projet auquel ils vont pouvoir associer les enfants et de les former pour qu'ils puissent également, de leur côté, se sentir montés en compétences et se sentir valorisés et voir directement les résultats de leur travail sur les enfants, sur les parents. Je vois que tu prends ton micro, il faut que je m'arrête. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je prends la télécommande. Ouais, et les micros, tu peux les donner là. On va rester à Marseille et un peu dans l'éducation, ou du moins pour sensibiliser les collaborateurs au sujet de la RSE. Du coup, je suis ravi d'accueillir Maxime et Marie-Alphie qui vont nous présenter Mao Boa. Il y a les micros qui arrivent. Bonsoir tout le monde. Donc, on est les deuxièmes Marseillais du groupe. Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis Marie-Alphie et cofondatrice de Ma Voix. Malheureusement, ma voix est restée à Marseille. Du coup, pour épargner vos oreilles, c'est Maxime qui va faire le pitch. On a l'habitude de le faire ensemble. Mais je serai présente pour les questions et heureuse de discuter avec vous au stand plus tard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, avec Marie-Alphie, on a cofondé Mauboa. On a développé donc l'outil collaboratif qui aide nos clients à accélérer leur transformation durable avec leurs équipes. Alors, si on est là ce soir, c'est parce qu'on est convaincu, j'imagine comme vous, que les entreprises doivent répondre aux enjeux environnementaux et sociaux d'aujourd'hui. Mais la grande majorité d'entre elles, pour répondre à ces enjeux, elles vont devoir changer radicalement leur modèle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elles en sont déjà conscientes. Elles investissent massivement dans l'impact, notamment avec les budgets RSE. Et la RSE, c'était l'an dernier 68 milliards d'euros. Ça sera 158 milliards dans 2 ans. Et donc, elles investissent dans la RSE, notamment via ces budgets qui sont plutôt déployés de manière centralisée, déployés plutôt de manière descendante, assez silotés. Dans les organisations, la RSE, c'est 3 à 4 personnes. Ça parle pas beaucoup aux équipes. Les équipes, elles sont pas impliquées. On voit par les chiffres qu'il y a que 29% des collaborateurs qui sont informés de
la démarche d'impact de leur organisation. Et ils sont que 17% et contribuer concrètement à travers leur métier. Alors vous allez me dire pourquoi c'est grave, pourquoi c'est un problème? Parce que les entreprises qui doivent changer leur modèle, ces modèles qui doivent se transformer si radicalement, eh ben vont pas y arriver si elles n'impliquent pas leurs équipes. Il y a une grande majorité des transformations qui échouent si on n'implique pas les équipes. C'est pas une nouvelle charte, un nouveau process qui va faire changer l'entreprise. C'est la prise en main de ces process qui vont faire bouger les entreprises. Alors c'est pour ça qu'on a créé Maubois. Nous, notre mission, c'est de faciliter la transformation des entreprises en donnant à chaque collaborateur les moyens d'être les acteurs de ce changement. Alors pour faire ça, on a développé une solution collaborative qui aide nos clients à déployer leur stratégie d'impact avec leurs équipes. Et concrètement, notre outil permet à nos clients de donner les moyens à leurs collaborateurs d'apprendre et de s'informer sur les sujets RSE dans leur entreprise. Alors donne aussi les moyens d'agir concrètement sur les thématiques RSE internes, les enjeux de l'économie circulaire, la diversité et l'inclusion, la biodiversité, les enjeux du climat. Et notre outil leur donne aussi les moyens de mesurer leur progression, leur impact en tant que collaborateurs dans le grand ensemble qui est la stratégie de mon entreprise. Et on leur donne aussi les moyens de collaborer, de construire ensemble avec leurs équipes le métier de demain. Alors on est un outil technologique, on n'est pas que ça, on a aussi intégré au cœur de notre solution une méthode qui intègre les meilleurs leviers d'engagement pour enclencher les transformations durables des entreprises. Alors cette méthode, on en est bien sûr à l'initiative, mais on s'est assuré qu'elle soit impactante et qu'elle soit réelle et sérieuse. Donc on s'est entouré d'un écosystème de partenaires, des acteurs du carbone comme SAMI, des labels, des institutions publiques, des acteurs de la formation comme l'AXA Climate School, qui viennent nourrir nos méthodes et qui donnent surtout les moyens d'aller encore plus loin pour nos clients. Alors pour matérialiser tout ça, je vous propose de prendre un petit cas client. Et donc on a l'un de nos clients, Fnac Darty, qui utilise notre solution pour déployer leur nouvelle stratégie d'impact avec l'ensemble de leurs référents RSE. Ils s'appellent Tous Engagés. Ils sont dans tous les magasins Fnac Darty de France. Et j'imagine qu'il y en a beaucoup à Paris. Eh bien chaque collaborateur dans les magasins, chaque référent RSE dans les magasins de France a accès à notre outil. Et notre outil leur donne les moyens aux collaborateurs sur site, donc les personnes qui sont dans les magasins, à appréhender la feuille de route RSE du groupe Fnac Darty, à agir concrètement sur les enjeux du climat et sur les enjeux de la durabilité. En fait, concrètement, chez Fnac Darty, l'enjeu numéro un, c'est d'imaginer des nouveaux modèles qui intègrent de l'économie circulaire et du réemploi et aussi peut-être de la location de l'électroménager que vous avez déjà chez vous. Alors ça, c'est pas l'équipe de 4 personnes au siège à Paris qui va pouvoir l'adresser. C'est toutes les personnes qui sont dans les magasins qui vont devoir imaginer des nouveaux modèles de production, des nouvelles manières de distribuer leurs produits, des nouvelles manières d'interagir avec leurs clients pour leur proposer de nouvelles offres. Et donc concrètement, de changer de paradigme et de changer leur métier, de changer leur pratique au travail. Alors, notre outil leur a permis, là, depuis notre lancement, de faire un peu plus de 37 000 actions. Donc, notre outil a propulsé 37 000 actions auprès des collaborateurs qui ont été réalisées. Ces actions, c'est des diagnostics, c'est d'aller évaluer le niveau de durabilité des magasins, c'est de faire les quiz pour appréhender un enjeu d'économie circulaire. Et ces 37 000 actions, elles ont permis surtout à ces utilisateurs de changer leur pratique au travail. Ils sont plus de 77% affirmés avoir changé leur manière de travailler au sein des magasins. Et sont d'ailleurs une très grande partie à être actifs. Un utilisateur actif chez Maubois, c'est un utilisateur qui fait une action, qui fait un diagnostic, qui remonte des idées, etc. Alors nous, notre promesse, c'est d'optimiser les investissements des entreprises en rendant le sujet de l'RSE un sujet le plus concret et opérationnel possible, en le rendant ascendant, en faisant du bottom-up, si j'utilise de l'anglicisme, en permettant à chaque collaborateur d'incarner et s'approprier les sujets, et surtout en facilitant le pilotage avec un reporting simplifié. Alors, je vous ai parlé de Fnac Darty, mais aujourd'hui, Maubois est utilisé par un peu plus d'une trentaine de clients qui sont à la fois des grands groupes, des ETI, des structures publiques. C'est un peu plus de 200 000 actions qui ont été réalisées par nos 13 500 utilisateurs. On a 13 500 personnes qui aujourd'hui changent leur métier, transforment leur entreprise au travers de nos solutions. Alors, on interagit sur un marché qui est extrêmement dynamique. Et on le voit notamment au travers de notre chiffre d'affaires, nos revenus annuels. On a un modèle de licence, donc nos revenus annuels ont été multipliés par 3 ces 6 derniers mois. Et on a aujourd'hui un peu plus de 200 000 euros annuels qui ont été signés par nos clients, et on projette 300 000 euros avant la fin de l'année. Alors on a un modèle de croissance. Notre objectif, c'est de passer à l'échelle. Et donc on est là aujourd'hui pour cela. On finalise notre levée de fonds d'1,5 million avec un fonds à impact, avec des fonds institutionnels. Et puis, on ne pouvait pas vous oublier. Dans notre modèle, vous avez compris, on a un modèle ascendant, collaboratif. Les citoyens ne pouvaient pas être partie prenante de notre levée de fonds. Donc, si vous voulez aussi faire bouger les entreprises de l'intérieur, et ce, de manière très concrète, on serait ravis de répondre à vos questions et bien sûr, d'être avec vous. Bravo. Bravo, bravo. L'énergie, elle est plutôt là, normalement, c'est pour ça. Ah,
Et bravo, tu t'es bien défendu. Et comme vous l'avez compris, c'est un investissement en action avant la fin de l'année et qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt de 25% sur l'impôt sur revenu et une potentielle plus-value à moyen long terme. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout au fond. Pauvre Julie, elle doit courir un marathon pour parcourir la salle. Bonjour et déjà merci beaucoup pour votre présentation. Moi j'avais une question pour savoir qu'est-ce qui encourage les collaborateurs à utiliser et à faire des actions, parce que je me dis en termes de messages c'est hyper encourageant, mais comment on fait pour retenir ces utilisateurs sur la plateforme après 6 mois, 1 an d'utilisation? Est-ce qu'ils sont toujours aussi motivés à faire ce genre d'action, parce qu'en général c'est assez populaire de faire des défis sur un temps imparti, mais là c'est plutôt une idée longue terme, donc voilà, j'étais intéressée de savoir ça. Je commence et je te laisserai compléter. C'est une très bonne question, parce qu'en fait il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est en effet, en tout cas j'affirme votre postulat, c'est en effet un effet de longue haleine. On est un outil de changement, et donc forcément changement, ça se passe pas en 2-3 semaines, ça se passe dans la durée. Donc la très grande majorité de nos contrats sont des contrats à minima annuels, on a aussi des contrats pluriannuels d'ailleurs qu'on a la chance d'avoir 100% renouvelé. Mais globalement c'est une thématique dans la durabilité. Alors La bonne question, c'est pas forcément que l'outil. Et justement, au cœur de notre approche, on n'a pas que l'outil. Donc, l'outil a bien sûr été réfléchi et conçu pour que, un, il s'intègre de manière très simple dans l'univers du collaborateur. On a développé des connectivités avec des systèmes d'information RH, avec Microsoft 365 pour que ce soit simple à s'adopter dans son univers en tant que salarié. On a développé plein de logiques de gamification, de progression, c'est très rythmé, etc. Mais c'est pas l'outil qui fait que nos collaborateurs sont là dans la durée. C'est tout ce qu'on en met à l'intérieur, et la réalité de ce qu'on met à l'intérieur, c'est la feuille de route et la suite du client. C'est le client qui personnalise son programme d'engagement, c'est le client qui déploie son programme d'engagement. Et donc, vous le voyez, l'hypercroissance, qui est le sujet de la RSE, c'est un sujet qui va être là encore pour une bonne partie de nos 10 prochaines années. Et donc, ce qui fait que nos utilisateurs sont là, et peut-être vous donner une statistique, on a 85% d'utilisateurs actifs, et ce, dans la durée. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vont contribuer à une stratégie structurante de l'entreprise. Donc, c'est pas un petit défi d'éco-geste qu'on pousse à un instant T dans l'année. C'est un programme qui va adresser tous les piliers des RSE d'entreprise, de diversité, d'inclusion, d'économie circulaire, etc. Donc, en fait, les collaborateurs sont partie prenante d'un sujet core, qui est le sujet de la RSE, qui ne fait que grandir. Donc, dans les programmes d'engagement, on a une approche qui est progressive. On part avec un instant T, puis on a envie de progresser. Et donc, cette dimension de progression se voit dans les thématiques qu'on va adresser, en apportant de plus en plus de profondeur, et ça va aussi au niveau de l'expérience du collaborateur lui-même. On intègre plein de données, on sait quel est le métier de la personne, on sait dans quel département il est, on sait le niveau d'activité, de sensibilité qu'il y a dans l'outil, et donc on arrive à croiser ces données pour lui proposer des actions plus spécifiques pour qu'il puisse progresser. Merci. Tu veux compléter? Compléter, je sais pas. Oui. Pour compléter, je pense que ce qui est important, et c'est quelque chose dont on est vraiment convaincu, c'est que c'est pas juste une plateforme tech qui va changer les choses, et je pense que Lita, vous êtes une plateforme, mais c'est les rencontres, en fait, c'est les gens qui sont hyper importantes, et en fait via notre outil, ben des gens peuvent se rencontrer, et c'est aussi ce qu'on veut faciliter. C'est par exemple dans des grands groupes, des gens qui ont envie de mettre en place des initiatives similaires peuvent le faire ensemble. Donc ce qui se passe, c'est ce qui est important. Forcément, on peut le calculer, ce qui se passe sur la plateforme, c'est les 87%, 85% de taux d'engagement, etc. Mais ce qui est important, c'est aussi ce qui se passe en dehors de la plateforme, c'est les liens que les gens vont créer pendant une action ou autour d'une action. Et c'est ça aussi qui va donner envie de continuer. C'est cette communauté qui va être créée en entreprise, de gens engagés, de gens qui ont envie de faire changer les choses. Une plateforme au service du lien et de la rencontre. Une question en ligne, c'est quelle est votre stratégie commerciale et quel rôle vont jouer aussi les experts ou vos partenaires? Merci, c'est une super bonne question, puisque j'ai dû aller très vite sur la fin. Donc on a commencé en faisant de la commercialisation en direct, donc on a interagi avec le marché, ça nous a permis d'énormément nous nourrir et de comprendre les enjeux du marché. Et puis on a eu l'un de nos clients historiques, qui était un cabinet de conseil sur les sujets raison d'être et RSE. Ils ont utilisé notre plateforme, ils ont dit, c'est génial, mais pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas ça à nos clients? Et donc, ils ont recommandé, il a été prescrit pour le groupe Saventia, on est en train de les déployer en commun. Puis on a un deuxième client qui était aussi un acteur du conseil, qui a vu l'opportunité. On s'est dit, en réalité, pour beaucoup de nos futurs clients, on rentre au moment de l'après-conseil. Souvent, on est la structure qui arrive au moment où on a sollicité un cabinet de consultant RSE pour avoir une feuille de route, définir un plan d'action, et puis la direction souvent pose la question, ok, so what? Maintenant, comment je fais pour
mettre en place tout ça, l'orientation, comment je déploie. Et donc, beaucoup de ces conseils ont imaginé notre solution, et donc on a construit ces liens assez privilégiés de prescription. Et là, maintenant, on est en train de construire une offre dédiée, qu'on appelle, enfin, qui sera une offre pro, destinée à ces cabinets de conseils pour qu'ils puissent déployer notre solution auprès de leurs propres clients. Donc ça, c'est live avec un Wimin, Rive-Neuve, avec, on est en train de construire des partenariats dont on est très fiers avec MakeSense, qui, eh bien, peut aussi piloter et animer directement notre solution auprès de leurs clients. Et ça, une partie qu'on voit de manière assez importante dans notre BP, ça représentera près de 30% de nos revenus à horizon 2025. Très clair. Est-ce qu'il y a une autre question en salle? Oui. Est-ce que vous aidez aussi les entreprises à développer leur stratégie ou juste la mise en œuvre de la stratégie qu'ils ont fait avant que vous arriviez? Merci, c'est une très bonne question. Donc, nous, on va pas se positionner comme des conseils RSE. Et quand ça c'est quelque chose qu'on va se rendre compte aussi dans le process commercial, la maturité de nos clients sur ces sujets-là. Notre solution, elle peut être utilisée de manière assez différente en fonction du stade de maturité de nos clients. On a des clients qui ont une stratégie RSE hyper développée, plusieurs rapports déjà existants et qui ont besoin de le faire vivre. Donc ça va être un cas d'usage. On a des clients qui ont envie de faire de la RSE et qui n'ont pas encore de stratégie très très définie. Et là, dans ce cas-là, c'est pas nous qui allons les aider à mettre en place la stratégie RSE, mais ils vont utiliser notre outil pour identifier en fait les points, les piliers potentiels de leur future stratégie RSE qui en fait résonnent beaucoup auprès de leurs collaborateurs, de leurs équipes. Donc, on va pas les aider à construire, nous, en tant que Maoboa, leur stratégie RSE, mais on va les aider à co-construire avec leurs collaborateurs. Quand on voit que par contre le besoin c'est pas forcément de faire ça, mais c'est vraiment de mettre en place une stratégie RSE en amont, là on va faire intervenir nos partenaires conseils qui feront ce travail en amont et avec qui on pourra travailler sur la suite sur le déploiement de cette stratégie. Simplement pour compléter, on vous présentait la dimension core qui est la méthode. Dans cette méthode, on a construit une trentaine de thématiques avec un peu plus de 250 actions, 400 contenus et plein de kits. Et donc ces kits sont justement une première matière dont on va pouvoir utiliser ces clients pour pouvoir préétablir, construire, personnaliser leur programme d'engagement. Donc ils ont plein de matières qu'ils peuvent utiliser sur lesquelles on pourra ensuite capitaliser pour lancer leur programme d'engagement. Merci beaucoup. Bravo à vous deux. Alors là, c'est un immense honneur. On accueille François Marty, qui est un pionnier, une personne qui nous a inspiré avec Eva au tout début, qui est un entrepreneur connu, de renommée, respecté dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Et je suis très fier de t'accueillir une nouvelle fois chez Lita et merci de ta confiance. Je me demande si t'en fais pas un peu beaucoup. Voilà. Bonsoir. Alors, j'ai le petit manicrac parce qu'on m'a dit que je devais appuyer sur les boutons. Voilà. Je vais donc... Non, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Si. Non, c'est pas ça. Voilà, quand vous voulez. Bon, alors, donc, je m'appelle François Marty. On a commencé notre aventure il y a 35 ans à Calais, où on s'est occupé avec un curé déjanté et quatre copains, des gens qui étaient à la rue et qui cherchaient du travail, et des réfugiés, parce que à Calais, ça fait très longtemps que le réfugié est tendance. Hein, ça reste à la mode actuellement. Voilà. Et on savait, pour les quatre cancres qu'on était, qu'il fallait fatiguer les gens pour pas qu'ils nous fatiguent. Donc on s'est lancé dans un métier qui était la palette en bois. Voilà. Et puis, notre groupe a grandi, sans le savoir, on a été dans les pionniers de l'insertion. Alors, le groupe aujourd'hui, c'est 280 salariés. On a réinséré à peu près 8000 personnes. Et on a trois usines en France, que dans des coins pourris, entre Calais et Dunkerque, dans les Ardennes et en Bourgogne. Et c'est ça un peu notre aventure. Et puis, j'ai fait une infidélité à l'entreprise parce que j'ai participé à un rapport pour un premier ministre et le copain avec qui j'ai fait le rapport est devenu secrétaire d'État à l'économie solidaire. Donc, je suis devenu le conseiller, le chef de cabinet du ministre. Et c'était très bien parce que j'ai pu écrire l'agrément solidaire, j'ai pu écrire la loi sur les finances solidaires et je vous la place parce que je la fais régulièrement. Et comme disait mon professeur de morale, Patrick Balkany, je suis un des rares citoyens français à vivre d'une loi qu'il a écrite. Mais alors, vous ne pensez pas si bien dire, parce que
vous écrivez une loi, puis après elle passe au Parlement, et après personne n'y comprend rien. Donc les grands groupes m'ont dit, Engie, Schneider, m'ont dit, mais comment ça marche votre loi? Ben, j'aurais dit, justement, j'ai un projet, venez investir là, on va voir comment ça marche. Voilà. Alors, le projet, c'était quoi? C'est les gens dont on s'occupe dans les milieux pauvres sont ceux qui manquent le plus d'écologie. Alors, on a rêvé très haut. On s'est dit, on va faire des maisons comme en Suède, petite enfance, handicap, personne âgée, norme suédoise. Et en Suède, vous ne savez pas votre taux de crédit avant un an, parce que l'administration décide en fonction de ce que ça consomme, ce que vous aurez comme taux de crédit. C'est le contraire d'écologie punitive. Bon. Et puis, on s'est rapproché des Suisses sur les normes. Alors, ça a deux avantages, les normes suisses. Le premier avantage, c'est que tous vos copains écolos qui vous cassent les pieds à savoir à quelle norme vous êtes, ils connaissent rien, donc ils font d'un air entendu « Ah oui, 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 bon ». Et puis surtout, c'est des normes qui tiennent beaucoup plus compte de la qualité de l'air, du confort, et de etc. Et on s'est dit, on va faire des maisons, donc très chères, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Alors, on a fait nos premières maisons, et on était voir les bailleurs sociaux, on leur a dit, écoutez, on a fait un truc génial, et on s'est fait humilier, les pauvres ne respectent rien, et puis à cause de vous, si on loge les gens chers, il y aura des gens à la rue, bref, très vexant. Et comme on était deux, je le dis toujours, les doubles vexés sont fermés de l'intérieur après, donc on a été repérés par la fondation Ashoka, qui nous a accompagnés en disant, mais votre projet, il y a vraiment quelque chose derrière. Et les gens à qui on s'adresse, c'est premièrement les élus ruraux, chez qui personne ne veut construire, qui n'arrivent pas à garder leurs jeunes parce qu'il n'y a rien à louer dans les villages ruraux, et qui n'arrivent pas à garder leurs vieux parce que s'il y a trois marches qui ne vont pas à la salle de bain, pouf, l'EHPAD. Et donc, ces maires ruraux qui sont incroyablement dévoués en général, personne ne veut. Alors, d'humilier à humilier, on s'est très bien entendu, et on est bailleur social dans sept régions en France, et 60% à peu près des gens qu'on a, c'est des personnes âgées. Alors, je vous raconte le dernier projet, puisque j'ai peu de temps. Le dernier projet, grâce à, comment s'appelle là, le scandale des maisons de retraite? Orpea, avec Ciel Bleu, que vous connaissez peut-être, on a une idée en commun, on s'est dit, mais en fait, quand les gens doivent quitter leur maison pour aller en maison de retraite, c'est un drame. Et 30% meurent dans les 6 mois en France. C'est un drame. Ils perdent leur histoire, ils perdent leur repère, ils perdent leur raison d'être. Donc là, le dernier projet qu'on est en train de faire à Grandvilliers, c'est on fait 26 logements. Alors, comme partout, il y a l'électricité blindée, on peut mettre un lit d'hôpital, une bouteille d'oxygène, ils peuvent aller jusqu'au bout. Et ils vont rentrer vers 65 ans, les gens les plus pauvres. Ils vont quitter leur logement social, ils vont se trouver, plus qu'une minute, faut que je me dépêche, et ils vont rentrer là-dedans. Et puis, ils vont vieillir, et petit à petit, les services arriveront, ça revient 4 fois moins cher que la maison de retraite. Et il y a le mur du réchauffement climatique, mais il y a le mur des vieux. Je sais, je vais bientôt avoir des cheveux blancs. Donc voilà. Et donc, c'est le genre de projet qu'on fait. Et alors maintenant, on veut faire une nouvelle levée de fonds. Je termine là-dessus. Parce que on a levé 30 millions jusqu'à maintenant. Vous inquiétez pas, on les dépense très correctement. Mais je vais vous montrer le système. Je sais pas ce que j'ai foutu du bitonio. Voilà, il est là. Alors, les fonds hybrides, c'est par exemple AG2R La Mondiale, qui est très rentable pour eux, qui nous dit, mais nous, on vous donne 30 000 euros par logement. Ça nous coûte à peine 2 ans d'EHPAD. Mais vos logements vont durer au moins 38 ans. On gagne 40 ans. On gagne 38 ans de. Donc, voilà notre système. On a plein de gens, puisque j'ai plus le temps. Mais je veux des particuliers parce que maintenant, on voudrait diffuser nos idées. Ça fait 15 ans qu'on tourne bien. Et on se dit, bah, ça serait bien d'avoir des particuliers qui investissent chez nous. Et avec l'ITA, on va apprendre à rendre compte aux gens qui vont investir chez nous. C'est pas du tout la même chose que de rendre compte à des investisseurs. Dernier point, on valorise notre part, parce que vous savez, c'est comme dans Les Enfants du Marais, on est des pauvres, mais on n'est pas des PNQ, et on a démarré à 10 euros la part, et puis on a commencé à valoriser il y a 6-7 ans, maintenant on est à 10,71. Alors je vous promets pas un rendement extraordinaire, je vous promets pas une croissance extraordinaire parce que on s'occupe des gens, ça prend beaucoup de temps, etc. Mais on a réussi à ce que ça soit des gens sans emploi qui construisent ces baraques-là, donc on fait de l'emploi avec ça, que ça soit les gens qui en ont le plus besoin. Et puis je peux vous assurer que les charges actuellement chez les gens, ça a augmenté dans les logements sociaux absolument terribles. Et comme ils payent 3 fois moins de charges, eh ben ça a coûté 3 fois moins pour eux. Voilà, alors on n'est pas un projet flambant, on est des besogneux, un peu bas de plafond, mais on est besogneux et on tient dans la durée. Voilà. Toujours un carton.
Et je vous invite, parce qu'en plus François vous accueillera avec plaisir, d'aller sur les lieux visiter, parce que c'est. Et on a une chocolaterie haut de gamme dans aussi. Un des sites d'insertion. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, merci. Quand on voit la dernière photo, les maisons ont l'air effectivement basses de plafond. Oui. Et apparemment, il y a aussi des panneaux solaires sur les toits. Alors oui, on utilise tout ce qui fait que les gens payent moins de charges. Alors déjà, la toiture végétalisée, on récupère la flotte pour les toilettes, la machine à laver. On met des chauffe-eau électrosolaires ou des Nilan, ça coûte très très cher. Mais les gens arrivent à se chauffer pour 30 euros par mois, l'eau chaude et le chauffage, et ils ont l'air frais l'été. Et cet été dans le sud, puisqu'on est bailleur social dans cette région, on n'a pas fait sécher un seul lieu. Mais je peux vous raconter une anecdote. Il y a une dame qui m'a dit « Oui, mais avec votre paille et puis votre toiture végétalisée, j'entends plus la pluie. Je sais pas comment m'habiller le matin. » Alors j'ai dit « Ben madame, vous ouvrez un peu votre volet. » Mais le petit monsieur, il connaît rien. On ouvre ses volets quand on est habillé. Ben là, la foncière a pas de réponse. Voilà. C'est les vrais gens, quoi. Ils sont comme ils sont, quoi. Voilà. Une question en ligne, c'est comment vous faites dans le modèle économique avec la hausse des coûts de construction et les loyers qui sont modérés? Alors, c'est les 30% de subventions et fonds hybrides où on va chercher de l'agence de l'eau, de tout ça. Et on le fait pas parce qu'on n'aurait pas de modèle économique. Il faut savoir que tout le monde ment. Donc, dans le milieu du logement social, tout le monde dit qu'il construit à 2100, mais en fait, c'est pas vrai. Nous, on est à 3003. Mais en dessous de 3003, on n'arrive pas à avoir cette qualité-là et on n'arrive pas à faire baisser les charges. Et puis alors, le gag de cette année, c'est que vous savez, dans une foncière très sérieuse, bon, vous devez évaluer votre patrimoine. Et en général, quand vous l'évaluez, il plonge un grand coup. Et manque de peau, on est tombé bon là-dessus, donc on s'est fait engueuler par l'expert. Il m'a dit, un, j'aime pas les maisons en bois. Deux, j'ai jamais vu des gens heureux dans le logement social. Alors là, on n'a pas l'habitude. Et troisièmement, je m'excuse, mais votre part est bonne, monsieur Marty. Donc, j'étais content, parce que pour un cancre, c'est toujours une revanche. Hein. Voilà. Une autre question dans la salle. J'ai pété l'ambiance. Alors, si jamais à chaque réponse on t'applaudit, tu... Oui, là-bas. Bonjour, merci pour cette présentation divertissante. En ce moment, il y a clairement une crise du logement en France. Est-ce que vous pensez que votre modèle est généralisable? Et si oui, pourquoi il ne l'est pas? Enfin, pourquoi il n'est pas généralisé aujourd'hui? Alors, un, mais n'applaudissez pas, je suis pas Michel Onfray, j'ai pas réponse à tout. Bon. Deux, ce qui est très marrant, c'est que Villogia, qui est le troisième bailleur français, veut investir dans la foncière, veut qu'on investisse chez eux, et ils disent, voilà, on va se retrouver avec plein d'actifs morts, de trucs, on a beau rénover le logement social, ça sera jamais sain au niveau de l'air, ça sera jamais bien chauffé, ça coûtera trop cher, etc., etc. Et je pense qu'on est dans une impasse en France. Mais nous, on n'a pas la réponse. On travaille, on avance et on répond au dernier maître des élus ruraux. Oui, il y a une vraie crise. Oui, j'ai pas la réponse. Et oui, je me demande comment on a pu faire autant d'erreurs historiques sur le logement social. Parce que, juste pour vous faire un quiz qu'il n'y a pas dans le truc, citez-moi un seul autre pays d'Europe qui a des problèmes de logement social. Les Allemands ont pris 1 million de réfugiés. Ils les ont pris. C'est très simple. Les grands démocrates du Sud, Franco, Salazar, Mussolini, etc., pas de logement social. Faut que les gens perdent leur masure s'ils se révoltent. Et les pays du Nord, ben, ils se sont reconstruits sur le logement et le logement de qualité. Et les Français qui se croient le centre du monde, on est quand même la risée de l'Europe sur nos logements sociaux. Mais je suis désolé de péter l'ambiance, mais c'est ça, c'est la réalité. Merci François. De rien. Amusez-vous bien, bonne soirée. Et du coup, on enchaîne avec une interlude, une keynote de Mamadou Dembélé. Ravi de t'accueillir et ravi que tu m'inspires et que tu nous inspires. Et si Batman était écolo? Quand j'étais petit, Batman, c'était mon super-héros préféré. Alors c'est vrai, il savait pas voler, ni porter un camion à main nue, et encore moins envoyer des rayons X avec ses yeux. Mais si Batman faisait autant l'unanimité dans la cour de récréation, c'est grâce à une seule chose. Il était humain. Sa force d'identification était donc supérieure à celle des autres super-héros. Alors du coup, je vous vois venir, c'est quoi le lien entre Batman et l'écologie?
Bruce Wayne et par extension Batman, c'est le beau gosse, c'est l'homme d'affaires, c'est celui qui a un jet, qui est un jour à Paris, un jour à Hong Kong, un autre jour à Shanghai. Le lundi, il est en Ferrari, le mercredi, il est en Lamborghini. Enfin, je pense que vous avez compris l'histoire. Sauf que depuis que j'ai pris conscience des enjeux écologiques, Batman, je le vois plus de la même manière. Parce que c'est vrai, Batman, Bruce Wayne, il n'a pas un comportement très écolo. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut revoir tous nos super-héros, mais ce que j'essaye de montrer à travers cet exemple, c'est le pouvoir des récits, le pouvoir des œuvres culturelles et l'influence que ça peut avoir sur les enfants, sur nous et sur une forme de modèle. Parce que Bruce Wayne, c'est le modèle de la réussite. Il incarne la réussite. C'est un peu l'idéal quand on est petit. Aujourd'hui, je dédie mon temps professionnel et personnel à la transition écologique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bien au contraire. Pendant longtemps, j'ai considéré l'écologie comme un truc de bobo. Le problème de ceux qui n'ont pas de problème. Ma copine de l'époque me parlait souvent d'environnement, de biodiversité, des animaux. Et à chaque fois, je lui opposais toujours la même chose. C'était, c'est bien l'environnement, les animaux, etc. Mais les vrais problèmes, c'est quoi? C'est l'éco-social, c'est la pauvreté, c'est la faim. C'est ça les vrais problèmes. Et j'avais toujours cette tendance à opposer fin du monde, fin du mois, à opposer les causes sociales aux causes environnementales. Comme vous l'avez compris, je suis très sensible aux causes sociales, particulièrement aux inégalités sociales. Pourquoi ? J'ai vécu dans trois milieux très très différents. Je suis né, donc ça c'est moi, petit, je vais mettre là. Donc j'ai vécu dans trois milieux très différents. Je suis né au Mali, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Ensuite, j'ai grandi dans le 93, dans une cité, dans un HLM, dans ce qu'on appelle un quartier populaire. Et la seconde moitié de ma vie, je l'ai passée à Paris, dans le 17e arrondissement, donc dans un quartier très bourgeois. Du coup, j'ai très vite été frappé par les inégalités sociales. Je me suis toujours demandé pourquoi certains avaient si peu et d'autres autant. À Paris, on vivait à 5 dans un 20 mètres carrés. Ça, c'était la semaine. Et le week-end, quand j'allais chez mes amis, c'était souvent des 200 mètres carrés. Et je me souviens que les couloirs étaient si grands et si longs qu'on pouvait faire de la trottinette. Vraiment, ça m'impressionnait. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, la fin du mois, ça a toujours été le premier combat. Arrivé au moment de faire des études supérieures, je fais des études à Dauphine, je fais des études d'économie et de finance. Et je prends très vite conscience de l'impact de la finance sur le monde. À quel point la finance gouverne notre économie, à quel point la finance gouverne le monde. Et comme tout étudiant en finance, ce que je fais, c'est un stage dans une banque, à la Défense. Donc je passe 6 mois à la Défense, dans une grande banque française. Sauf qu'un jour, le 19 avril, au lieu de voir, comme tous les matins, une foule d'employés en costard-cravate passer le portique des tours, à ma grande surprise, je vois une centaine de manifestants de Greenpeace. Déterminés, pancarte à la main, on pouvait lire plusieurs slogans du type « moins de banquiers, plus de banquises ». Et ma première réaction, c'est de me demander pourquoi est-ce qu'ils sont là. C'est vrai, c'est quoi le rapport entre une banque et le climat? Il ferait mieux d'aller voir un groupe pétrolier. Sauf que ces manifestants étaient très déterminés. Ils étaient déterminés à bloquer le passage des tours pour toute la matinée. Du coup, je décide d'échanger avec l'une de ces militantes. Et je lui pose cette question, pourquoi être ici? On discute une dizaine de minutes. Elle m'explique le lien qu'il y a entre finance, écologie, entre causes environnementales et causes sociales. Cette conversation est longtemps restée dans un coin de ma tête. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire des articles,
à regarder des vidéos, à m'intéresser de près au sujet de l'écologie et du lien avec les causes sociales. Par la suite, je décide de m'orienter dans un fonds d'investissement à impact. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle du venture capital. On finance que des startups à impact, donc que des startups dont la mission répond à un objectif environnemental et social. Au cours de mes recherches, j'ai réalisé deux choses. La première, c'est que l'industrie dans laquelle j'évolue, donc la finance, avait un impact considérable sur la crise climatique. Parce que quand on finance un projet, on donne une direction à la société. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que la fin du monde aggrave la fin du mois. Parce que les premières victimes du changement climatique seront les classes les plus pauvres. Et donc, en arrivant dans ce fonds d'investissement à impact, je découvre une chose, c'est que des projets impact, il y en a vraiment beaucoup. Il faut savoir que nous, on rencontre environ 2000 projets par an. Et donc, en discutant d'écologie avec mes amis, je constate qu'il y a un décalage qui se crée. C'est-à-dire qu'ils voient souvent le côté négatif. À chaque fois, ils trouvent que c'est bien l'écologie, mais c'est très compliqué, il y a peu de solutions, ils voient beaucoup de problèmes. Et à chaque fois qu'ils m'exposaient un problème, j'avais toujours 2-3 projets en tête qui essayaient de répondre à ce problème. Et c'est là que je me dis, faudrait que je partage toutes ces solutions que je vois au quotidien. Et c'est quoi le meilleur moyen de partager ça au plus grand nombre? C'est de partager sur les réseaux sociaux. Donc je commence à partager toutes ces solutions sur les réseaux sociaux sous le nom de Impact Story. Et donc là, j'évolue dans un autre univers. Je suis plus dans l'univers de la finance, enfin je garde un pied dedans, mais j'évolue dans l'univers de l'influence. Et je découvre que il y a plein d'influenceurs qui ont des audiences considérables. Aujourd'hui, il y a 80% des 15-35 ans qui suivent des influenceurs. Les influenceurs sont considérés comme, pour certains, comme des rôles modèles. Et ces influenceurs-là, ils ont beaucoup de pouvoir sur les imaginaires. Des stories dans un avion, des stories à l'autre bout du monde, des stories... Toutes ces stories, justement, elles donnent, pareil, une image de la réussite. C'est une forme d'incarnation, ça dit quelque chose de la société. Et ça suscite un désir. Et en y réfléchissant un peu plus, je me dis que ces influenceurs, ils impactent, ils créent des imaginaires. Mais il n'y a pas que les influenceurs. Il y a également plusieurs pans de la société. Les films, la culture, le cinéma, les super-héros. Et si je voulais tant ressembler à Bruce Wayne quand j'étais petit, voler en jet, rouler en Lamborghini, etc., c'est parce que ces œuvres culturelles avaient réussi à créer un discours positif autour de Bruce Wayne, créer un discours positif autour de cette réussite qu'il incarnait. Et donc, je réalise que si on veut embarquer le maximum de personnes dans cette transition climatique et sociale, il va falloir construire un discours positif. Il va falloir qu'on donne envie aux gens de se dépasser, qu'on leur montre à quoi peut ressembler le monde de demain. Que ce soit à travers la finance, les banques, les fonds d'investissement, les particuliers qui investissent via des super plateformes comme l'ITA, mais également l'influence, les influenceurs, le cinéma, les bandes dessinées. Du coup, ce que j'essaye de défendre sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ce que j'appelle une écologie consciente mais positive. Consciente pourquoi? Parce que la réalité est là. Si on fait rien, on va droit dans le mur, on le sait. Mais positive, parce que pareil, si on continue avec un discours moralisateur, culpabilisant, on ira aussi droit dans le mur. Donc pour embarquer le maximum de personnes dans le plus grand défi de l'humanité, faut qu'on construise un discours positif pour embarquer tout le monde. Afin que les enfants d'aujourd'hui rêvent de devenir les Bruce Wayne écolos de demain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour,
pour la nécessité aujourd'hui de revoir les défis et ton témoignage très inspirant. Merci à toi. Et ça me fait écho parce que pour une petite anecdote, mais je sais qu'on est en retard, mais bon, je le raconte rapidement. Cet été, j'ai deux enfants. Cet été, on était visiter une maison des loups et une personne qui travaille dans cette maison nous a montré l'impact et la puissance des récits. En France, on a dans notre inconscient et depuis tout petit, on nous baigne des histoires avec le méchant loup, les trois petits cochons, le chaperon rouge. En Italie, le loup, il est raconté aux enfants avec la louve de Rome, avec Rémus Rémulus. Et donc, on n'a pas eu tout la même approche en Italie qu'en France. Le loup est vu comme un animal qui est aimant, qui nourrit. En France, on le voit plutôt comme un méchant qui nous fait peur et qui nous hante dans nos cauchemars. Et l'impact que ça a eu, c'est que en France, on a perdu le loup depuis les années 80 et on l'a perdu, et il est revenu en France comment ? Grâce au fait qu'en Italie, le loup a toujours été présent, jamais été abattu, et il est revenu en France via les Alpes grâce à l'Italie. Et donc on voit l'impact et la puissance des récits et j'espère que mes enfants, le jour où ils auront un smartphone, pourront te suivre et que tu les inspireras. Sans transition, Télécope, on va accueillir Marion et Pierre qui vont aussi voir comment il y a d'autres pratiques qu'on peut avoir sur notre téléphonie et l'impact qu'on peut avoir. Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle Marion Greffly, je suis cofondatrice de Télécope et également sa directrice générale. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Pierre Paco et je suis président de la coopérative. Ce soir, on va vous parler de quelque chose qui est si important qu'on passe chacun d'entre nous ici plus de 4 heures par jour à l'utiliser, quelque chose qui est devenu si nécessaire et indispensable, qui nous sert à communiquer, à nous informer, à travailler, à apprendre, quelque chose que je pense la plupart d'entre nous ont actuellement dans notre poche ou dans votre main, et vous l'avez peut-être déjà regardé 2 ou 3 fois depuis le début de notre présentation. Je parle bien sûr de l'usage de nos smartphones. Alors, imaginons un monde où les merveilles technologiques qui nous entourent sont là pour nous pousser à passer de plus en plus de temps sur notre téléphone, quitte à en oublier de dormir. Imaginons un monde où les services clients, c'est impossible d'avoir un humain au bout du fil. Je vois que ça fait écho. Imaginons un monde où l'impact carbone du numérique dépasse celui de l'aviation civile et continue d'augmenter tous les ans de 6%. Alors, si cette vision du numérique vous interpelle, c'est que comme nous, vous avez envie de construire une autre vision pour le numérique, un autre monde pour le numérique. Un numérique qui soit écologique, qui soit résilient, qui soit utile aux hommes et aux femmes et qui contribue à maintenir notre vie sur Terre. Alors, chez Télécope, on essaye de contribuer à cette vision. Télécope, c'est le premier opérateur télécom qui cherche à vous aider à vous réapproprier votre vie numérique. Alors, comment on fait pour se réapproprier sa vie numérique ? Alors, Télécope, c'est le seul opérateur télécom coopératif en France. Télécope propose des forfaits dont le prix varie en fonction de votre consommation réelle de données mobiles. Et ça, c'est pour rendre visible, conscientiser l'usage que l'on fait de notre téléphone. Le temps que l'on passe derrière cet écran et la mesure de l'empreinte associée. Télécope ne vous vend pas de téléphone parce que le meilleur téléphone, c'est le plus écologique, c'est celui que vous avez déjà aujourd'hui dans votre main. Donc on va plutôt vous accompagner financièrement à allonger sa durée de vie, à le réparer, remplacer sa batterie, remplacer un écran cassé. Enfin, Télécope, c'est aussi un service client vraiment différent. Il est composé de citoyens engagés qui sont là uniquement pour vous accompagner dans l'évolution de vos usages numériques.
Télécoop, enfin, appartient et appartiendra toujours hein, à ses abonnés, du fait de son statut, à ses salariés et également à ses soutiens financiers. C'est un gage de transparence dans un secteur qui en a bien besoin et aussi un gage d'indépendance face aux multinationales du numérique. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc Télécoop existe depuis 3 ans maintenant et c'est un modèle aujourd'hui qui est en train de prouver son efficacité. On a plus de 7500 clients, on a rassemblé aussi près de 1400 sociétaires partout en France qui co-construisent avec nous ce que c'est que la coopérative, ce que c'est qu'un opérateur télécom au service de l'intérêt général. Et notre plus grande fierté, c'est bien sûr notre satisfaction client. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on la mesure et chaque année, on a des records de satisfaction client, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend fiers de faire ce qu'on fait, puisque 98% de nos clients se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de Télécoop et de ses services. On ne s'arrête pas là, puisque l'enjeu, c'est bien évidemment l'impact environnemental, l'impact sociétal. Et de ce point de vue-là aussi, les éléments sont très importants à dire, puisque chez nous, comme on aide les gens à garder leur téléphone le plus longtemps possible, c'est important pour nous de mesurer le temps qu'ils vont conserver concrètement leur appareil. Chez Télécoop, les abonnés gardent en moyenne 1,2 ans de plus leur smartphone que la moyenne nationale. Et ça, c'est 50 tonnes de CO2 évitées. Pour aller plus loin, et bien sûr, ce qui est très important pour nous aussi, c'est l'emploi. Notamment dans les métiers d'opérateurs télécom et aussi dans les fameux centres d'appel, les services clients et chargés de clientèle. On a déjà créé 10 emplois en France et surtout, ils sont non délocalisables. Et ça, c'est aussi ce qui nous rend fiers sur notre secteur d'activité. Enfin, on va terminer parce que je crois qu'il reste plus de temps. Mais du coup, ce qui nous intéresse, si on est là ce soir, c'est parce qu'on veut accélérer cet impact et on a besoin d'élargir le public auquel on s'adresse. Jusqu'ici, on a tout développé avec du bouche à oreille. On est là devant vous aujourd'hui comme des citoyens qui ont créé cette coopérative. Donc, on a besoin de continuer cet engagement avec des citoyens, des investisseurs. Et on espère pouvoir rassembler 500 000 euros en titres participatifs. Et s'il y a des questions sur les titres participatifs, on sera ravis de les prendre. Et je m'arrête là, du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en effet, du coup, c'est d'investir en part sociale pour devenir sociétaire de la coopérative et également en titres participatifs, qui est une forme de prêt pour des coopératives qui est rémunérée avec Télécoop à 5%. Et du coup, l'engagement de la coopérative, c'est de commencer à vous rembourser le capital à partir de la 7e année. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être un point important aussi, c'est que ces deux investissements sont éligibles également à une réduction d'impôt de 25% sur l'IR 2023. Oui. Merci pour cette présentation. J'avais une petite question. C'est donc Télécoop qui propose des réparations de téléphones. C'est vous qui les réparez ou comment vous faites pour lutter contre l'obsolescence programmée ou en tout cas permettre l'utilisation plus longtemps des téléphones? On va répondre hein, et puis je te passe la parole. Il y a deux paliers. Le premier palier, c'est toute la sensibilisation, les ateliers, les webinaires. On organise, on crée énormément de contenu et on crée énormément de points de contact avec nos abonnés, mais c'est aussi ouvert en fait aux non-abonnés, hein, donc aux non-abonnés, c'est important, pour parler du sujet et dire que une grande partie de notre impact écologique dans le numérique, il est dans le matériel. Voilà, premier point. Le deuxième point, c'est très concrètement dans notre forfait, et je crois que c'est le seul forfait qui fait ça, enfin à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres, en France, là, on va venir rembourser, en plus des dispositifs d'État dont vous avez peut-être entendu parler, mais l'État a décidé de donner un bonus réparation pour les matériels, les smartphones. Et nous, on vient plus que le doubler. Donc, pour nous, c'est 30 euros en plus pour réparer son téléphone en plus chaque année. Donc, c'est une incitation financière directe. Et pour
pour aller plus loin aussi, parce que effectivement, avant la réparation, il y a aussi cassé ce réflexe d'acheter des nouveaux téléphones, etc. Donc, nous, on a aussi fait le choix de pas vendre de téléphone pour que notre modèle économique n'en dépende pas, parce que c'est important aussi de se dégager, en fait, de créer une indépendance de par rapport à ce modèle de consommation. Mais au-delà de ça, parce qu'on a quand même besoin de s'équiper, hein, on va pas dire que le numérique, voilà. Non, on va proposer des façons de s'équiper de manière durable. Donc, on a des partenariats, en effet, avec des constructeurs qui fabriquent de manière durable ou alors qui reconditionnent, pareil, hein, dans de bonnes conditions, parce qu'il y a reconditionné et reconditionné. Donc, nous, on cherche aussi à chercher du reconditionné durable qui tienne véritablement pour nos clients. Merci. Une question en ligne, c'est une question pour comprendre pourquoi et comment vous travaillez avec l'opérateur Orange. Donc, comment et pourquoi vous avez choisi cet opérateur? Alors, d'abord, pourquoi on a choisi Orange? Parce que c'est la meilleure qualité de réseau au niveau technique. Pour nous, c'était important que Télécope, ça marche aussi bien techniquement que n'importe quel autre opérateur. Donc, quand vous rejoignez Télécope, vous avez une carte SIM Télécope, mais qui est reconnue intégralement et dans le monde entier, je le précise parce qu'on a souvent la question, au même titre que les abonnés d'Orange. Donc ça, c'est sur la partie technique et c'était le choix, il était lié à la performance du réseau et à la couverture également territoriale en France, qui est la numéro un. Ensuite, comment ça fonctionne? Ben, je l'ai dit, je pense, hein, on a un contrat qui nous permet de véhiculer sur le réseau d'antennes mobiles d'Orange en France et à l'international grâce à nos cartes SIM. Ben, tout simplement, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, merci beaucoup. Vous avez dit que les clients de Télécope gardent leur téléphone 1,2 ans de plus que la moyenne. Et est-ce que vos clients dorment plus que la moyenne des Français? C'est une très bonne question. Non, mais ce que ça interroge quand vous posez cette question, c'est vraiment le bien-être lié aux écrans. Et donc, là, il faut qu'on, en toute franchise, il faut qu'on mène tout un travail pour mesurer l'impact, en fait, que c'est. Parce que d'un point de vue scientifique, il y a encore pas beaucoup d'études. Il y a plein de choses qui commencent à sortir, qui commencent à se créer. Mais c'est encore les balbutiements. Donc, nous, on veut accompagner ça. Donc, bah, par exemple, hein, pour donner quelques pistes, on travaille avec une entreprise qui est en train de lancer la fresque des écrans, typiquement. Donc là, le but, c'est aussi de pouvoir en faire bénéficier, bien sûr, nos abonnés liés à notre réseau, qui est important, mais d'aller plus loin, comme toujours, puisque nous, notre activité, bien sûr, on l'amène avec nos abonnés, avec nos sociétaires, mais on travaille aussi pour l'intérêt général. Donc le but aussi, c'est de faire connaître ces métiers-là et bien sûr ces outils-là au plus grand nombre via notre activité. Voilà. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci. Merci. Et on va enchaîner rapide pour... Essayer d'être tous encore présents pour trinquer ensemble. Et du coup, on va accueillir Loop Sport, Martin et Damien, pour nous présenter. Merci. Bonsoir et merci. Merci de nous avoir permis à Martin et moi de venir depuis la Venise des Alpes, Annecy, pour vous présenter comment nous allons transformer la seconde main dans l'outdoor. L'outdoor, ce marché majeur et dynamique qui rassemble aujourd'hui 150 millions de pratiquants en Europe qui souhaitent changer leur équipement de manière simple, rapide, en ayant l'impact le plus réduit possible sur leur terrain de jeu et sur leur vie quotidienne et qui trouvent face à eux des solutions qui ne les satisfont pas complètement, impactantes et coûteuses pour le neuf et complexes et peu fiables pour l'occasion. Et pour apporter toute cette confiance, à la fois avec un impact et un prix réduit, avec Damien, nous avons lancé Loop Sport, le spécialiste de l'équipement reconditionné à la fois pour les sports et la mobilité. Avec un service et une expérience client qui soit premium, simple et à la fois en ligne et physique avec un magasin à Annecy. Notre proposition de valeur, elle se tourne sur quatre axes, à la fois le prix, à la fois l'accompagnement et notamment le test, la disponibilité et également du coup la confiance avec un garantie. Très concrètement,
Aujourd'hui, le modèle que nous avons et l'outil que nous avons développé, c'est celui-ci. Un outil de pricing innovant, un outil de cotation qui nous permet de coter instantanément n'importe quel produit et de pouvoir surtout se sourcer auprès de particuliers et de professionnels, nous reconditionnant ensuite tous les produits directement dans notre atelier avec nos propres mécaniciens et nous les revendons ensuite sur un modèle Figital. Et ce modèle, nous l'avons lancé il y a un an sur le vélo et aujourd'hui testé et éprouvé. Et pour assurer notre ambition d'être une Sportec à impact, il faut qu'on inscrive notre modèle dans le temps. En le maîtrisant tout d'abord par l'intégration des différents métiers, de l'ensemble des métiers qui nous ont permis aujourd'hui de reconditionner déjà 300 vélos et 200 dans les prochaines semaines. Le service. Aujourd'hui, l'expérience premium et le service associé, nous ne voulons pas le compromettre, quels que soient les aléas du marché. Et nos consommateurs le reconnaissent déjà. Et puis en profitant bien sûr de notre localisation, qui nous permet aujourd'hui de comprendre les pratiquants de sport, mais aussi les usagers de mobilité, mais surtout qui nous permettent de construire des partenariats avec les acteurs de l'industrie pour pérenniser notre processus technique, mais bien sûr notre sourcing. Et enfin, notre engagement à la genèse de cette création et de cette association, à la fois la réduction de notre empreinte carbone, mais également favoriser un usage juste. Et ça, on le tiendra quelles que soient nos phases de croissance. Alors oui, Damien vient d'en parler, nous sommes opérationnels, mais plus que ça, nous avons un business model qui est rentable, notamment grâce à un panier moyen élevé qui permet également d'avoir une marge brute dégagée de 30% après reconditionnement logistique et achat du vélo. Et comme le prouve aussi l'industrie du reconditionné avec différents acteurs, que ce soit dans l'automobile ou dans la téléphonie, nous avons un business qui est modèle, qui est scalable. Nous allons chercher des points de marge supplémentaires avec le volume, d'abord en diminuant les prix, la diminution grâce notamment au sourcing de l'achat en B2B auprès du professionnel et également en optimisant l'outil de reconditionnement. Si on ajoute à ça à la fois l'augmentation du panier moyen à travers des accessoires et du service, nous ambitionnons de gagner 10 points de marge d'ici les 3 prochaines années. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé de partir sur une nouvelle levée de fonds. D'abord, pour industrialiser le sourcing en B2B, mailler le territoire via un réseau de partenaires. Nous l'avons déjà pénétré, Damien en a parlé, avec des réseaux Intersport, Cyclable, Skiset, et demain c'est de l'étendre au national. Et également d'implanter cet outil de pricing chez nos partenaires, au plus grand nombre, pour pouvoir permettre aux particuliers de faire reprendre ces produits et d'acquérir de nouveaux clients. Et donc concrètement, aujourd'hui, cette levée en seed, elle est dimensionnée telle qu'elle. D'abord, 1 million d'euros en equity, à la fois avec vous, communauté Lita et nouveau business angel. Aujourd'hui, nous avons déjà sécurisé 200 000 euros à travers nos partenaires et investisseurs historiques. Et également réuni notre pool bancaire pour 1 million de dettes auprès de la BPI notamment. Et je crois qu'il nous reste tout juste le temps avant que la pancarte se lève. Pour nous dire que il y a un collectif derrière Loop Sport, ceux qui nous soutiennent depuis le début, l'équipe aux commandes qui fête les 1 an du site, et vous maintenant qui avez déjà créé une belle dynamique en phase d'intention de collecte et qui, je suis sûr, nous rejoindront dans la boucle dès ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et en plus, c'est pile un bon timing. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si votre entreprise fonctionne, comment est-ce que vous allez industrialiser ce que vous faites aujourd'hui à petite échelle? La tech, elle est centrale dans ça. On l'a déjà mis en place avec en amont avec cet outil de cotation. Mais après, tout au long de la chaîne, puisqu'on adresse vraiment différents métiers, et c'est vraiment un maillon fort qu'on a mis en place dès le premier tour de table, et notamment du coup en faisant une premier tour de table de 500 000 euros pour tout de suite partir avec un outil performant qui nous permettra demain vraiment d'aller à l'échelle. Aujourd'hui, déjà, on a un outil
relativement performant qui nous permet de reconditionner 200 vélos par mois. Et donc la mise à l'échelle, c'est vraiment de continuer à optimiser ce processus et notamment la tech et de continuer à optimiser ce processus de reconditionnement. Merci beaucoup. On peut enchaîner avec une deuxième question. C'est une double question. Est-ce que vous avez une concurrence quelconque ? Et la deuxième question, c'est quel est le sourcing, c'est-à-dire où vous trouvez les objets ? Oui, il y a une concurrence, comme dans tout marché assez dynamique, qui se structure, comme nous d'ailleurs. Il y a à la fois les généralistes qui existaient déjà avant nous, les spécialistes qui se sont lancés en marketplace. Puis après, dans le reconditionné, il y a des acteurs assez finalement fragmentés qui adressent une partie du marché, le sport, l'urbain d'un côté. Nous, on a vraiment finalement le parti pris d'adresser à la fois le sport, la mobilité, mais sur un axe premium. Donc notre positionnement, il est là. Quand on dit premium, c'est pas forcément à haute technicité, haute performance, puisque tout le monde est prêt finalement à ne pas compromettre la fiabilité, qu'on soit débutant ou aficionados. Donc nous, on a vraiment ce positionnement premium qu'on va maintenir. Et concernant le sourcing, ce qu'on a voulu faire dès le début, comme sur l'outil tech, en fait, c'est pas forcément avoir beaucoup de partenaires, mais avoir des partenaires qui, dès demain, si on veut envoyer du volume, on peut appuyer sur le bouton très facilement. Des gens comme Intersport, Skiset, Cyclable, nous permettent aujourd'hui d'avoir 50, 80, 100 vélos. Si demain on veut aller plus loin, c'est 500, c'est 1000, assez facilement. Pas assez facilement. En tout cas, on sait où les trouver. Merci beaucoup. Une question en ligne, c'est comment imaginez-vous la sortie des investisseurs, à quel horizon et comment la structurer ? L'ambition de Loopsport, c'est effectivement, vous l'avez compris, d'abord pénétrer le marché du vélo qui est encore en pleine structure et notamment sur la seconde main. Et demain, c'est aussi d'aller vers d'autres pratiques, d'autres équipements qui sont techniques, coûteux et à sécuriser. Et donc, on a d'autres verticales, notamment voilà les sports d'hiver, sports nautiques, parapente et autres. Et ça fait partie aussi de la sortie et parce que demain on envisage potentiellement un nouveau tour de table pour pouvoir justement adresser de nouvelles verticales. Et voilà, ça sera une possibilité de sortie en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Désolé, vous pourrez continuer les questions. Au cocktail, ce qui est riche chez Lita, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a une diversité d'entreprises, à la fois sur les statuts juridiques, on a eu des associations, des foncières, des coopératives, des start-up, également en termes de secteur. Et là, je suis ravi du coup d'introduire Guillaume de Taute, qui est aussi une aventure et un investissement aussi particulier, une grosse ambition de décarboner le transport maritime, revient pour une deuxième fois sur Lita. Merci beaucoup Julien, ça me fait très plaisir d'être avec toi ce soir, d'être avec Eva, d'être avec les équipes de l'ITA qui nous accompagnent, que je vois certains pour la première fois, on a fait beaucoup de visio ensemble. Je m'appelle Guillaume Legrand, je suis le cofondateur avec Diana Messa ici présente, sans qui je serais pas là, derrière, n'hésitez pas à aller la voir, elle a le même logo que moi ici. De Taut pour Transocéanique Wind Transport, on fait du transport transocéanique par la force du vent, on le fait depuis 2011. Les deux navires que vous voyez là, je dis des navires parce que c'est pas des bateaux, des navires c'est des navires de commerce, ils sont là parce qu'ils ont une fonction qui n'est pas de la plaisance ou de faire de la course ou des ronds dans l'eau, ils ont une fonction qui est d'aller transporter des marchandises d'un côté de l'océan à l'autre. Ils sont en cours de construction, ou plutôt ils sont en cours de finalisation de leur construction. Il y en a l'un des deux est à Concarneau, dans le Finistère Sud. C'est des navires qui rentrent en opération au mois d'avril-mai prochain. Ce sont des navires qui sont capables d'éteindre leur moteur 99% du temps. Donc voilà, en un clin d'œil, si j'ose dire, ce que nous sommes en train de faire. Le transport maritime, c'est un géant. C'est la deuxième industrie au monde. Il est partout autour de nous. C'est 90% des produits que nous consommons. Cette zapette, ce micro, ce projecteur, probablement une très grande partie de ce que nous avons sur nous, vient de très très loin sur des navires marchands. Si nous voulions mieux les transporter, et nous en tant que consommateurs finaux, donc nous en sommes tous responsables, si nous voulions choisir des navires mieux disants, socialement, environnementalement, eh ben on pourrait pas.
parce qu'en fait, il y a une opacité complète autour de ce qui se passe derrière les terminaux portuaires. La boîte noire du conteneur, du porte-conteneur, nous interdit d'aller vers une meilleure connaissance, donc éventuellement un choix. Hein, on choisit en achetant des choses qui seraient éventuellement mieux transportées. Vous allez me dire, faut peut-être pas tant transporter, mais en tout cas, dans ce que nous, on transporte, on est capable d'avoir une approche qui est très radicale, au sens où nous changeons le mode propulsif des navires. Alors, pour ceux qui s'intéresseront au secteur du transport maritime, mais c'est le cas en général du secteur de l'énergie ou des mobilités, vous verrez, on vous dira que dès demain, de façon miraculeuse, viendront des carburants très pratiques, très peu chers, très décarbonés, et ne vous en faites pas, parce que c'est aux fournisseurs de carburants de nous les apporter. On appelle ça le méthane, l'hydrogène, l'ammoniac. On a même ça dans le maritime ou tous les biocarburants. Si vous penchez un petit peu plus avec, je n'en doute pas, l'exigence éthique qui est la vôtre. Si vous êtes dans cette salle, vous vous rendrez compte évidemment que les miracles n'existent pas en termes d'énergie et que souvent l'externalité environnementale de ces solutions, qui sont pourtant a priori les seules que le grand monde maritime nous propose, sont en fait souvent bien pires que l'existant. Alors, il y a plusieurs contextes qui sont très favorables pour nous. Les premiers, c'est les clients. J'y viendrai dans une minute. Il y a également un contexte réglementaire qui est en train d'évoluer. Donc, dans un mois et demi, dès 2024, une taxe carbone aux frontières va commencer à s'imposer sur les conteneurs, sur les navires les plus carbonés. Donc, pas sur nous, mais elle est très faible, elle est très petite, elle est de l'ordre de quelques euros par palette, mais en tout cas, elle commence à être là au titre des marchés carbone européens. Nous, on a fait le choix, ou plutôt on a fait le constat, Diana et moi, il y a 12 ans, que les vents au large, en fait, on le sait depuis des millénaires, sont abondants. Ce qu'on sait depuis une quinzaine d'années, par contre, c'est qu'ils sont très prédictibles. On est parfaitement capable d'aller prendre ces autoroutes du vent, de savoir où ils sont, quand ils y sont, quand ils n'y sont pas, et donc fiabiliser les heures d'arrivée, ce qui est fondamental dans le transport maritime. Cette énergie qui est là, infinie, gratuite, disponible, évidemment décarbonée, le meilleur rendement, la meilleure façon d'aller la chercher, c'est la voile en fait. Alors on semble, est-ce un anachronisme, est-ce qu'on retourne en arrière ou est-ce qu'en fait on utilise d'une certaine façon des techniques d'antan pour aller vers une optimisation bien meilleure? C'est ça qu'on est en train de mettre en place. Sur ces navires qui vont bientôt flotter, qui sont aussi les vôtres, l'italien, merci beaucoup, on a pu lever 4,5 millions d'euros il y a un an, auprès de 2300 d'entre vous, concentrent ces technologies, sont des navires intelligents. La traction commerciale actuelle, et c'est ce nous sommes en train de mettre en place, c'est une levée pour 6 navires supplémentaires. Nos clients à nous demandent beaucoup plus. Les clients, parfois des concurrents, viennent nous voir. Et avant de construire des navires beaucoup plus grands, ce sont quand même des navires de 80 mètres de long qui transportent 1000 tonnes, qui ont plus de 3000 mètres carrés de voile, on va en construire 6 de plus. On est prêt à commander 6 navires de plus avec une structuration des différents investisseurs en equity, en dette qui est mûre à l'heure où on parle. Et donc d'une précollecte qui est lancé depuis environ 2 mois et demi sur l'ITA, qui a une très belle dynamique. Donc, on est très content de ça. On a besoin de vous pour aller construire ces 6 nouveaux navires avec une commande qui vient dès l'année prochaine, pardon. Au-delà de l'intérêt économique, il y a d'autres impacts qui sont en haut à droite. Et puis, on se rend compte qu'en fait, à la fois en termes de transit time, on est tout à fait comparable. Par contre, en termes de bilan carbone, on ne l'est pas du tout. C'est l'attraction commerciale que je vous explicitais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est les contrats. Donc, en novembre, on a ça, là, depuis le 7 novembre. La flèche en haut à droite, c'est l'équivalent de 30 navires. Donc, il faut qu'on aille vite. 6, c'est à la fois beaucoup. J'ai un petit peu dépassé le temps. Mais c'est ce qu'on veut faire, mettre en place pour signer ce contrat avant la fin de l'année. Merci beaucoup à tous, merci à l'ITA, puis très belle soirée, au plaisir d'échanger. Merci Guillaume. Peut-être une question, t'as pas pu 5 minutes, mais pour faire 6 bateaux, t'as besoin de combien de financement? C'est quoi combien il faut d'argent pour financer un bateau? On est là sur une levée de 120 millions d'euros, donc on a 80% qui sont structurés par une banque de premier ordre, sous forme de crédit bail, il s'appelle le CIC, et on est sur une levée en equity de l'ordre de 25 millions d'euros. Ce qui est fondamental grâce à l'ITA, c'est que nous, fondateurs,
qui n'avions pas ni des parents qui nous ont permis d'avoir des taux majoritaires dans cette industrie très capitalistique, hein, qui est évidemment le transport maritime. On envisage de lever 5 millions d'euros hein, sur une obligation qui nous permette justement d'injecter ces fonds-là au niveau de l'Assetco et donc d'être assez proche de la majorité au niveau de l'actif dans l'Assetco. Donc c'est ce qu'on est en train de lever actuellement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Merci. Merci beaucoup pour cette... C'est là. À votre droite. Oui, pardon, excuse-moi. Merci pour cette présentation. Ça donne vraiment envie d'investir dans ce projet, le vôtre, le nôtre aussi. J'ai l'impression que vous souciez beaucoup pour le bilan carbone. Est-ce que c'est un peu la même chose pour tout ce qui est matériaux ? On a décidé de construire en acier pour plein de raisons techniques. Quand on calcule le bilan équivalent carbone de cet acier pour construire la coque du navire, on se rend compte qu'on l'a amorti en environ 12 à 15 mois. Donc oui, les matériaux sont fondamentaux pour nous, à la façon à bord dont on va pouvoir économiser de l'énergie. On a fait un choix très fort qui était d'avoir deux tout petits moteurs, donc diesel électrique, mais surtout des hélices qui vont tourner à l'envers, qu'on va à une certaine vitesse à la voile. Donc sur une transatlantique de 14 jours, on va avoir entre 10 et 12 jours un navire qui va en fait générer plus d'énergie que celle dont il a besoin. On a 12 passagers et 7 marins à bord, des besoins énergétiques à bord. On fait très attention à la façon dont on va avitailler, au textile qui va également composer les voiles. Après, on a voulu construire des grands voiliers cargo de commerce. L'acier, c'est vachement bien. Et on est aussi soucieux de ça que possible, mais en même temps dans une sorte d'hyperréalisme pour arriver sur notre mission. D'ailleurs, nous sommes une société à mission qui est de faire du transport à la voile le plus accessible possible. Merci. Merci. Vous avez une question ? Je prends. Tout à l'heure, je vous ai pas retenu. Du coup, vous aviez. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est vous avez déjà des chargeurs qui sont intéressés par utiliser... Tout à fait. Oui. Affirmatif. Sur les deux premiers navires qu'on a vus ont deux trades, hein, comme on dit, c'est de l'export US et de l'import de café. Le café, on structure ses importations depuis la Colombie et le Brésil avec une entreprise qui s'appelle Belco, hein, le premier importateur de café dit de spécialité. On est capable de raconter l'histoire des différents terroirs et cépages qu'il y a, par exemple, en Colombie, comme on parlerait de grand vin. Sur les ex, on a plus d'une centaine de clients en tout, hein, aujourd'hui signé à bord, hein, avec ces deux premiers navires remplis à 300% pendant les quatre premières années. On travaille beaucoup avec les maisons Pernod Ricard sur leur export de champagne et de cognac, mais on va essayer aussi être beaucoup sur des vins bio. On va exporter de la bonne maman, des Opinel, donc des entreprises souvent pas forcément de luxe, mais en fait à terroir avec une envie de faire quelque chose. On est sur des taux de frais, donc des coûts très accessibles. Si vous voulez, en tant qu'exportateur ou en tant que n'importe quelle entreprise qui se projette mondialement, on importe 100% de notre café, on exporte 98% du cognac. Vous avez une solution immédiate hein, qui commence en avril, vous décarbonerez de 99% fret maritime et vous pourrez en plus prendre à témoin vos clients finaux grâce à un label qui s'appelle Anemos. Et donc on a un portefeuille de clients assez diversifié, café, cacao, vin, spiritueux, mais également dans des produits manufacturés, dans le cosmétique et donc des produits médicaux également, des véhicules électriques sur des choses où on s'attendait pas nous-mêmes forcément à être requis. Merci Guillaume. Dernière question. Ah, pardon. Je voulais savoir où étaient fabriqués les navires, pardon. Chantier naval Piriou, basé à Concarneau. La coque du numéro 1 a été construite à Giurgiu, en Roumanie, sur le Danube. Elle a été remorquée à l'arrivée en août dernier à Concarneau, donc en Bretagne Sud. C'est un navire à 75% part française. Le numéro 2 est construit à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Et c'est un navire qui est encore à 65-70% de part française, puisque donc on a beaucoup d'expats, des études qui sont dessus. On fait du transport maritime international. 100% de la flotte marchande est construite en Asie. Il faut qu'on tienne nos capex, il faut qu'on tienne nos taux de fret. Et c'est ce choix qu'on a fait finalement d'une très bonne construction à Ho Chi Minh Ville. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci. Bravo. À toi, Julien. Donc, l'investissement dans toutes les formes d'obligations convertibles en actions à 6 ans est rémunéré 10%. En effet, là, c'est quasiment plein sur l'ITA. Et le dernier, la lourde tâche de clôturer la soirée, Nathan, fondateur de La Fourche. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Et invité effectivement... surprise, du coup. Pardon? Invité surprise. Que... Exactement. Ouais, on est le petit dernier. Je suis ravi, en tout cas, de pouvoir présenter devant vous tous et vous toutes. Qu'est-ce que la fourche? Comment on a voulu monter cette boîte? Notre mission au départ, en fait, c'est vraiment démocratiser la consommation responsable. En fait, on est arrivé à un constat assez facile que vous faites tous, j'imagine, qui est que si jamais on veut travailler sur la transition écologique et notamment la transition alimentaire, on a besoin de s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Et or, en fait, on s'est rendu compte très rapidement que la plupart des produits qui sont bons pour la planète, pour les hommes, pour la santé, pour les producteurs, sont souvent réservés à une élite. Donc en gros, pour la faire simple, si jamais il n'y a que des bobos parisiens, comme peut-être vous et moi, mais que la classe moyenne n'a pas accès à ces produits, en fait, on ne fera pas la transition. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a monté la fourche, avec deux vrais soucis, deux vrais problèmes qu'on voulait aller résoudre. Le premier, c'est bien sûr le prix. C'est vraiment le premier problème pour les Français pour pouvoir mieux consommer, même s'ils en ont vraiment envie. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'accessibilité, dans le sens où il y a des zones en France où, en fait, on ne va pas forcément retrouver un magasin bio ou des produits éco-responsables. Et donc, on a créé la fourche. La fourche, c'est très simple. On échange du pouvoir d'achat contre de la fidélité. Donc, en gros, c'est un modèle un petit peu que vous pourriez avoir dans une AMAP ou autre. Il faut adhérer, en fait, pour accéder à notre catalogue. 69 € par an pour devenir membre de la fourche. Et à partir de là, on propose un catalogue de 4000 références entre 20 et 30% de réduction. Et nos adhérents en moyenne qui restent un an économisent en moyenne 400 € par rapport à ce que vous allez trouver dans, on va dire, des magasins bio classiques du type Biocoop, Naturalia, etc. Et effectivement, on a aussi un programme social derrière qui vise à pousser à consommation pour des familles à bas revenus. Et donc, on offre les adhésions pour les familles en situation de bas revenus. Donc ça, c'est le principe général de la fourche. Comment on fait pour arriver à ces 20 à 30% de réduction? Il y a une première chose qui est qu'on économise sur la publicité et le marketing parce qu'en fait, en vous engageant avec nous, on a moins besoin de vous fidéliser, on a moins besoin notamment en ligne de vous faire revenir sur le site, etc. Et donc du coup, on économise énormément de ce point de vue-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on économise aussi sur notre catalogue parce qu'en fait, en vous engageant, nous, on a aussi la possibilité de réduire un petit peu le choix, d'avoir une sélection qui est assez forte et du coup d'avoir des partenaires, moins de partenaires, mais plus engagés, plus forts et donc aussi des meilleures relations avec eux, et notamment des relations commerciales. Et donc aujourd'hui, le catalogue, c'est 4000 références, 100% bio, mais souvent bien plus. On a beaucoup de commerce équitable et typiquement 800 produits qui sont origine France totalement, et un catalogue qui est vraiment pensé pour les familles avec des gros formats et notamment une marque propre qu'on a développée avec plus de 250 produits. Et pourquoi faire tout ça? En fait, on le fait vraiment pour pousser ça auprès de monsieur et madame tout le monde. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a les personnes de la classe moyenne, c'est vraiment notre sociodémographie, beaucoup de familles qui sont sensibles à l'écologie mais qui ont un budget. Et qui donc ils peuvent pas faire ça, qui peuvent pas massifier leurs achats sans nous, et surtout une implantation sur l'ensemble du territoire dès le début. En fait, on a voulu se dire, on va pas forcément faire l'ensemble du catalogue. On évite de faire du frais pour l'instant partout en France parce qu'on considère qu'il y a des alternatives locales. Mais en revanche, on va livrer tout le territoire en point relais ou à domicile. Et en fait, aujourd'hui, on a 40% de nos adhérents qui sont ruraux, donc qui sont vraiment dans des petits villages, petites villes, loin de tout. On a un impact qui est énorme. Premier impact qui est fort, c'est qu'on arrive à ce que 80% de nos adhérents augmentent leur consommation de produits bio et éco-responsables. Donc on pousse le marché, on ouvre et on permet vraiment de pousser la transition auprès de chacun de nos membres. La deuxième chose qu'on a, c'est qu'on a vraiment mis un effort très fort sur le catalogue pour que ce soit pas le même catalogue que vous trouvez dans un supermarché classique. Il y a 4 fois moins de produits transformés. Il y a 20% de gammes qui sont des gammes soit anti-gaspi, soit des gammes qui reproduisent le vrac que vous trouvez en magasin. Et notamment, on n'aurait jamais lancé la fourche si on avait un impact négatif en termes d'émissions carbone. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en moyenne, quand vous faites vos courses chez nous, vous avez un impact qui est 2 fois moindre que si vous allez en supermarché pour faire vos courses. Hop, voilà. Et du coup, ça fait 5 ans qu'on a lancé la fourche. Ça fait, on commence à avoir un joli chiffre d'affaires. On va finir à 52 millions d'euros cette année. Et au-delà des chiffres qui, sont assez éloquents, on a vraiment un modèle qui est très fort en termes de fidélité. C'est-à-dire que oui, on dit toujours on échange du pouvoir d'achat, de la fidélité, mais on a 65% des gens qui restent après un an. On a 40% des gens qui continuent à être là avec 3 ou 4 ans, ce qui sont des taux qui sont très très élevés pour notre secteur.
trois leviers aujourd'hui pour aller plus loin. On a 100 000 adhérents aujourd'hui, on va en recruter 50 000 l'année prochaine, donc vraiment avoir une croissance de la communauté de 50%. Deuxième chose, c'est étendre notre marque propre. On a 250 produits aujourd'hui, on va arriver quasiment à 400 pour en fin d'année prochaine. Et enfin, développer le frais. Là, on a une logique totalement différente. On va le faire par zone parce que justement, on veut pousser une approche qui est très locale. Et donc, du coup, on a commencé par l'Île-de-France il y a quelques mois. Et donc aujourd'hui, on lève 2 millions en obligations via l'ITA. Pourquoi l'ITA? Parce que tout simplement, ça allait. Enfin, c'était un match qui était assez parfait par rapport à nos valeurs. On est extrêmement engagé. On a envie justement de pousser via une plateforme qui a les mêmes valeurs que nous. On voulait mettre à contribution notre communauté. On a 100 000 adhérents et on voulait aussi pouvoir justement leur proposer cette opportunité. Et donc, pourquoi investir à la fourche? Une très grosse croissance, une trajectoire à la rentabilité qui est quand même très forte puisqu'on a, on a fait plus de 30 points de rentabilité dans les 18 prochains derniers mois. Et enfin, on a une très grosse ambition. On veut passer de 100 000 membres à 1 million d'ici quelques années. Merci beaucoup. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions? C'était très clair, limpide. J'ai une petite question sur une slide. Vous avez noté moins 50% d'émissions carbone et je voulais savoir comment c'était calculé. Alors, on a fait beaucoup d'études à la fois internes, on a regardé beaucoup d'études externes. Et en fait, au-delà des chiffres même, en fait, on se bat contre un truc qui est tout bête, qui est la voiture. Alors, on le voit pas trop quand on est à Paris et qu'on est tous, on fait tous du vélo pour venir, etc. Mais 85% des Français utilisent la voiture pour faire leurs grosses courses de supermarché. Et en fait, quand vous prenez 100 personnes qui font 5, 10 ou 15 kilomètres, notamment dans des zones rurales, pour aller chercher, en fait, des courses chez Leclerc, Carrefour ou même chez Biocoop, notre impact, il est beaucoup moins fort. Et notamment parce qu'on évite des types de livraisons qui sont évidemment pas écologiques, du type livraison express, du type livraison par avion, etc. Donc, nous, l'idée, c'est que vous aurez pas la meilleure livraison du monde. On livre en 4-5 jours, mais on se laisse le temps de livrer pour quelque chose qui soit aussi plus facile pour les familles et qui soit meilleur écologiquement. Une question en ligne, notamment sur la partie logistique. Quels sont les principaux enjeux et les investissements prévus sur cette partie-là? Alors, on a sur la partie logistique, en fait, on a deux enjeux. On a un entrepôt central à Mitry-Mory, tout au nord de Paris, à côté de Roissy. Là sur cet entrepôt qui est donc qu'on détient et qu'on opère, on a toute une partie de mécanisation qui est en cours. Donc on est en train de négocier, de finaliser un leasing à hauteur de à peu près un petit peu moins de 7 millions d'euros pour automatiser une partie de cet entrepôt. Et ensuite au niveau de l'intralogistique, de l'extra logistique, dans toute la partie aval, en fait on a un gros projet pour bouger d'une livraison qui est une livraison, on va dire, par carton classique, à une livraison qui, chez nous, on appelle zéro déchet, qui est une livraison où vous avez seulement des sacs en craft et qui, du coup, ont beaucoup moins consommables, sont beaucoup plus appréciés par nos adhérents parce qu'il n'y a pas des tonnes de cartons partout. Donc ça, on veut passer de 45% des commandes à peu près 65 à 70% l'année prochaine. Merci. D'autres questions? Sinon, j'en ai une. Ah, j'en avais une en ligne pas mal aussi. Ouais. Je prends les deux. Hein. Allez. Alors, bravo, et je suis client La Fourche, et c'est super ce que tu fais. Merci, c'est gentil pour ça. J'ai une question sur tes 50% de croissance de la communauté en 2024. Comment tu comptes y arriver? Alors, on a, pour le coup, une des vraies fiertés, c'est qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur notre modèle. On est un modèle qui vend seulement en ligne, et donc on a tous les enjeux d'un business, on va dire, en ligne, pure player. Et en fait, depuis un an, depuis à peu près décembre, janvier dernier, on a changé notre modèle d'acquisition et on a un modèle d'acquisition qui est extrêmement important et très fort en fait depuis cette année. Et donc on est à 70% de croissance cette année. En fait, au fond, arriver à faire 45 ou 50 l'année prochaine, ça nous fait pas vraiment peur parce qu'on est sur des rythmes de croissance aujourd'hui qui sont quasiment supérieurs à la moyenne de l'année prochaine. Et en lien avec ça, la question du coup en ligne, c'est comment tu vois le fait qu'aujourd'hui le bio se dégrade et que vous avez une croissance forte? Parce qu'on est on utilise un peu le truc de Leclerc, on n'ose pas le dire, mais on a quand même le meilleur engagement prix. On n'a pas le meilleur rapport qualité-prix, on a le meilleur rapport engagement prix. Et je pense qu'en fait, on est tous confrontés à l'inflation.
on voit tous, enfin nous-mêmes qui qu'on soit, on fait des choix en fait quand on est en fait dans l'étagère et qu'on regarde des produits. Et donc forcément le bio en pâtit. Il y a une crise de confiance, mais c'est surtout une crise de prix. Et nous en fait on vient répondre à ça. Et donc effectivement, hein, j'ai du mal à me demander comment on va faire pour que le bio au prix auquel est aujourd'hui puisse résister et à long terme. Mais nous on a une vraie solution justement pour permettre aussi à la filière et aux producteurs et aux marques en soutien de pouvoir continuer à faire de la croissance en tout cas avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc La Fourche est en ligne depuis aujourd'hui et donc c'est un investissement sous forme d'obligation sèche sur une durée de 4 ans à un taux de 9%. On va conclure. Je vais inviter Eva à nous rejoindre pour participer à un petit mot de conclusion et vous présenter un projet qu'on a lancé au sein de l'ITA qui s'appelle RIF. Peut-être certains d'entre vous connaissent ou l'utilisent. C'est un peu le bien commun pour scanner son épargne. On lance une campagne qu'Eva va vous présenter. J'ai incrusté à la soirée pitch parce que on a lancé aujourd'hui, du coup, une campagne où avec l'application Rift, vous allez pouvoir tester si vous êtes exposé à des marques qui utilisent notamment du travail fait dans des conditions assez déplorables. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis ces dernières semaines, il y a une énorme mobilisation des travailleuses et travailleurs des usines au Bangladesh. Ces usines-là sont utilisées par des marques, je vais pas m'amuser à vous reloquer, mais il y a moyen que vous ayez au moins un item sur deux, allez, d'une des marques qui... à moins que tout soit vraiment de chez Loom ou chez 1083. Mais malheureusement, c'est pas encore possible aujourd'hui. Et pour pouvoir soutenir cette lutte, avec Rift, on a lancé un outil qui vous permet de savoir si vous êtes exposé à une de ces marques pour que vous puissiez vous mobiliser à travers des acteurs financiers. Vous savez, c'est ce qu'on fait avec Rift, permettre aux particuliers de scanner leur épargne et surtout de pouvoir challenger leur banque pour qu'elle puisse opérer un changement et avoir un impact auprès des entreprises et essayer de participer à soutenir ces luttes-là. Parce que les marques, elles jouent en ce moment un espèce de double jeu vis-à-vis de cette lutte sociale. C'est-à-dire qu'elles disent d'un côté qu'elles la soutiennent et qu'elles sont OK à revaloriser les conditions de travail, mais de l'autre, elles continuent à effectuer une pression sur les prix hyper fortes qui empêchent l'amélioration des conditions de travail. Et cette pression sur les prix, c'est une pression qui est mise aussi à profit des actionnaires. Donc, il y a tout un enjeu de s'engager aussi à travers son épargne vis-à-vis de ces travailleuses, même si le lien n'est pas effectivement toujours... Je dis travailleuse parce que c'est quand même une grande majorité de femmes qui travaillent dans ces usines, hein, plus de 90%, donc je pense qu'on peut dire travailleuse à ce stade-là. Donc voilà, je vous invite, avec l'application, pendant le cocktail, à pouvoir tester votre assurance-vie et voir si vous êtes exposé et vous engager avec nous. Merci beaucoup et profitez bien de vos échanges avec les entrepreneurs. Et merci pour votre écoute. Et merci Eva, quelques mots. En plus d'entreprises que vous avez entendues, il y a d'autres entreprises qui sont en levée de fonds sur l'ITA. Je les cite rapidement parce que vous pouvez échanger avec elles si jamais vous avez croisé sur la plateforme. Il y a Réalité qui est un promoteur immobilier qui s'engage dans la décarbonation de cette filière. Il y a Édition du Faubourg qui est une maison d'édition qui veut changer un peu les récits et nous sensibiliser sur les enjeux écologiques, sociaux. Nous avons Théorie qui est une chaîne de restaurants végétal de burgers responsables. Vous avez connu BioBurger avec l'ITA. La ferme d'ailleurs qui est un centre dédié pour les personnes en situation de handicap et l'Ermitage qui est un tiers-lieu qui va aussi nous inspirer et essayer de nous sensibiliser sur les enjeux d'agriculture et les enjeux également de changement auxquels on va devoir faire face. Voilà, encore plein de rencontres à faire, un cocktail aussi avec un traiteur bio et on est à votre dispo les équipes Lita Rift. Et enfin, il y a des personnes qui ont un badge différent avec une petite étoile. Ce sont des ambassadeurs Lita qui ont investi plusieurs fois déjà. Donc, si jamais vous êtes nouveau ce soir, n'hésitez pas aussi à aller échanger avec des investisseurs déjà aguerris et qui ont déjà eu une expérience avec nous. Ce qui nous importe aussi que la communauté s'autogère et partage les bonnes pratiques et aussi en transparence comment est l'expérience chez Lita. J'espère qu'elle sera bonne. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.